Salut, ma belle gang de Facebook. François ici. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une grande forme. Aujourd'hui, euh, on va partir ensemble pour une petite heure. On va parler, bien sûr, on va prendre de la hauteur ensemble. On va parler de la loi de l'attraction. Mais avant toute chose, je veux juste m'assurer qu'une fois de plus, j'ai des gens avec moi. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. On a toujours un petit délai tampon quand on est en live comme ça d'une vingtaine, d'une trentaine de secondes. Donc, tu voyais comme moi, là, présentement, là, il commence à rentrer des gens. Donc, euh, salut, euh, Jacinthe. Euh, J'espère que tu vas bien. Coucou, Nancy. Je suis content de te voir. Euh, salut, Joanne, C'est bon de vous voir. Salut, José. C'est bon de te voir aussi. OK, ça commence à rentrer. C'est génial. Salut, ma belle gang. J'espère que vous êtes dans une forme exceptionnelle ou pas. Ou pas. Hein, la vie, c'est ça et ça. La pleine conscience, la base de la pleine conscience c'est ça et ça c'est pas ça c'est correct et ça c'est pas correct c'est pas euh, la PNL c'est bon la sophrologie c'est pas bon c'est pas la neuroscience c'est excellent mais le yoga c'est pas c'est date c'est pas non la pleine conscience c'est ça et ça en fait, tous les outils autour nous permettent de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux cultiver la vie. Peu importe les approches qu'on va venir utiliser, ce sont des approches complémentaires, holistiques, hein, qui ont tout un sens dans le même plan, qui nous permettent de cultiver la vie. Et moi, mais ben, j'enseigne la pleine conscience et la pleine conscience, mais c'est le trait en tout ça. Hein, c'est le trait qui nous permet d'unir tous ces outils-là, mais surtout apprendre à utiliser ces outils-là. J'ai été longtemps euh, de ceux et celles, moi, qui, qui consommaient des outils, qui apprenaient des outils, mais après ça, j'arrêtais de les utiliser. C'est-à-dire que, imagine que je te donne un cours et je te dis, voici un tournevis plat. Et là, tu, tu regardes le tournevis plat, puis, oh my God, c'est vraiment intéressant. Et tu as terminé. Le, le, le cours sur le tournevis plat, et tu dis, oh, c'était tellement intéressant. Et là, tu, tu cherches un, un cours sur des pinces, hein, des pinces là, euh, pour pouvoir euh, dévisser certaines choses. Et là, tu prends un cours sur des pinces, tu vois les différentes poignées, la façon de les utiliser. Tu, tu termines, tu fais « oh, c'est tellement génial, j'ai un certificat en tournevis plat, j'ai un certificat en pince. Maintenant, ça me prendrait un certificat en marteau parce que il paraît que le marteau, c'est une technique miracle, c'est exceptionnel. Et là, tu t'en vas faire une formation en marteau, mais au moins celle-là, tu t'en vas la faire dans un autre pays parce que là, tu vas devenir international, certifié internationalement et tu sais très bien qu'il y a peu de personnes qui ont fait la formation de marteau que tu t'en vas faire, puis c'est vraiment nouveau. L'être humain n'a jamais connu ça, c'est la technique miracle. Et là, tu t'en vas faire la formation en marteau, puis les oreilles du marteau en arrière, ils sont parfaites, il y a une façon de tenir le marteau. Et là, tu termines, tu, re tu reprends l'avion, tu reviens chez vous, tu dis Aïe, 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 je suis certifié en marteau, je suis certifié en pince, je suis certifié en, en, en tournevis plat, mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas être assez. J'ai l'impression, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, pour partager tout ça? Hein? J'ai peur de me faire juger. Finalement, tous ces outils-là, tu observé les outils, hein? tu as appris à savoir qu'il existe des outils, mais tu jamais appris à les intégrer. La pleine conscience, c'est l'intégration. L'intégration de tout ce que l'on va apprendre, connaître. Vous savez que c'est impossible d'avoir de la conscience s'il n'y a pas de connaissance. Et c'est impossible d'avoir de la connaissance s'il n'y a pas de conscience. Imaginez que la conscience, c'est comme une capsule vide qui se remplit avec de la connaissance. On la remplit constamment avec la connaissance. Donc la connaissance, elle est essentielle pour nous permettre de grandir notre, 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 notre compréhension du vivant. Du monde dans lequel on joue, de notre esprit, de notre divinité, de, de qui nous sommes vraiment. Donc, la seule façon d'agrandir notre conscience, c'est de puiser, dans, c'est de développer, de cultiver notre connaissance. Et cette connaissance-là, il y a toujours des, 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 je dis des layers, mais des filtres, des, des niveaux de pénétration supplémentaires à ces connaissances-là. Et bien souvent, mais les niveaux de supplémentaires, on va, les, on va les intégrer dans l'expérience directe, dans la matière, à travers un événement où est-ce qu'on va vivre peut-être un cancer, que tout allait bien. Puis finalement, il y a un cancer qui est annoncé, ou peut-être le deuxième ou le troisième cancer, puis on pensait qu'on était guéri, puis on doit remettre le genou à terre pour venir intégrer hein, la pince, les, les pinces pointues qui nous permettent de développer la foi. Donc, dire, hey, j'ai la foi, oui, mais attends, elle est développée à combien de pourcentage? Chaque épreuve nous permet de puiser à l'intérieur de nous pour pouvoir venir développer encore plus grand les ressources qui sommeillent en nous. Ces ressources-là, que, ce que ce soit la foi, que ce soit le détachement, que ce soit la, le courage, que ce soit la volonté, que ce soit l'amour inconditionnel, que ce soit l'inclinaison, que ce soit l'adaptation, ce sont tous des ressources qui vont se développer avec l'expérience temporaire de souffrance. Et C'est ça que la pleine conscience vient nous faire comprendre. C'est ça que la, prene, la pleine conscience vient nous apprendre. Et après ça, c'est ça que la pleine conscience, pour pouvoir l'intégrer, la pleine conscience, on a besoin de aller nager, aller dans la jungle au travers de tout ça. J'ai une belle histoire qui me vient présentement pendant que je suis en train de vous parler. Et moi, vous savez, je le répète, hein, quand je compte des histoires qui ne viennent pas de mon histoire à moi, je la défais, puis je la distorsionne, puis elle est toujours changée, que ce soit de Bouddha, de Jésus, de n'importe qui. Je distorsionne les histoires. Cette histoire-là, c'est un, un gars qui est, euh, qui est sur un bateau, un gros bateau. On retourne le plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines d'années en arrière, peut-être même 100 ans en arrière. Euh, est, il est sur un bateau, puis euh, c'est un matelot en fait. Puis lui, il est en train de nettoyer les, pan les planchers parce qu'il y a toujours de l'eau qui rentre sur le bateau. Puis il nettoie les planchers avec sa mop, puis il y a toujours, toujours de l'eau. il a peu Le monde passe à côté de lui, puis il n'écoute même pas. Il respecte pas à la limite en fait parce que c'est juste un matelot qui est en train de nettoyer le plancher. Et un soir, ce matelot là, ben, il s'en va, il s'en va, euh, il passe sur le bord d'une cabine et il y a un professeur qui est en train d'enseigner à des gens dans la salle. Il y a peut-être une quinzaine de personnes qui est en train d'écouter le professeur et le professeur est en train de parler euh, de la lune, des étoiles et, 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 euh, et de tout ça. Puis le matelot est à côté sur le bord de la porte, puis sur le bord de, de de, de, de sa mope, en fait, puis il, il écoute le professeur, puis il dit oh il est tellement intelligent, le professeur, il est tellement intelligent. Et là, à la fin euh, de, de la présentation, le matelot va voir le professeur, il dit Mon Dieu, monsieur le professeur, vous êtes tellement, mais tellement intelligent. Il dit euh, Pourquoi vous dites ça Mais parce que vous connaissez tout, vous avez tellement de connaissances, hein? la lune, les étoiles. Oh, il dit Ça, c'est l'astrologie, c'est la cosmologie même. Il dit Vous connaissez pas Et vous connaissez pas ça le matelot, il dit non, je ne connaissais pas ça. Il dit pauvre matelot, vous avez perdu 25 de votre vie. Vous ne connaissez même pas l'astrologie, hein? Vous avez perdu 25 de votre vie. Hey, le matelot, il est dépressif, il est fatigué, il ne comprend pas qu ce qui est en train de se passer. Le lendemain, le matelot, il travaille, il se réveille de bonne heure pour faire le ménage et tout, pour nettoyer son plancher. Et. Euh, le soir, l'enseignant, le, le, hein, il va partager à, à encore une vingtaine de personnes sur le bateau. Plus il est en train de parler euh, des marées, des vagues, de l'océan et tout ça. Et le matelot regarde le professeur en disant Oh my God Mais il est tellement intelligent, Monsieur le professeur. Il dit Monsieur le professeur, Monsieur le professeur, vous êtes tellement intelligent. Il dit Pourquoi, mat matelot, vous ne connaissez pas ça Les marées, les océans, les profondeurs, les, 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 les poissons et tout ça. Il dit Non, je connais. Je, moi, je ne suis qu'un matelot. Je, je suis ici pour servir. Et là le professeur regarde le matelot puis il dit pauvre matelot pauvre matelot vous connaissez pas l'océanographie le matelot il dit non pauvre matelot il dit vous avez perdu 50% de votre vie vous connaissez pas l'océanographie matelot et le matelot il est dépressif puis là il comprend pas il dit le monsieur professeur il a tellement raison je suis juste un matelot j'ai perdu 50% de ma vie je ne je connais pas l'astrologie je connais pas l'océanographie tout ça il dit je suis vraiment perdu le lendemain matin, le matelot fidèle au poste, engagé, lui, à servir tout le monde qui est sur le bateau. À deux trois heures, mon histoire, d'accord? Engagé à, à servir tout le monde qui est sur le bateau. Et là, en fait, le soir, bien sûr, le professeur, il est là, mais là, il y a une trentaine de personnes qui écoutent. Le grand savant, monsieur le professeur, avec son chapeau. Puis lui, il, il a une super alluction, alluc alluction, alluction. Il parle bien, en tout cas, il parle bien. Et là, il est en train de parler à, à son monde. Et, euh, et là, il parle des continents. Il parle de l'Amérique, il parle de la France, il parle de l'Australie, de l'Océanie, il parle de partout, il parle des continents et, et, et des différentes cultures et tout ça. Et le matelot, il est à côté sur son bâton, sur sa mop, puis il dit, mais il est tellement intelligent, monsieur le professeur. Moi, je, je, moi, je suis juste un matelot, moi, j'ai juste la mop. Et là, en fait, il va voir monsieur le professeur et il dit, je dois vous dire que vous êtes exceptionnel, monsieur le professeur. Vous êtes tellement intéressant, vous êtes tellement intelligent, monsieur le professeur. Monsieur le professeur, il dit au matelot, il dit... Matelot, vous connaissez pas la géographie, hein, l'étude des continents. Il dit Non, je ne connaissais pas les géographies. Il dit Matelot, 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 vous avez perdu 75 de votre vie. Pauvre matelot, c'est pénible. Et là, le matelot, il est découragé, il va se coucher, il regarde le ciel, il voit la grandeur, il dit Oh my God. Et le lendemain matin, en plein milieu de la nuit, plutôt, en plein milieu de la nuit, à un moment donné, le matelot se réveille, il entend quelque chose, il se réveille, il se réveille. Il dit Monsieur le professeur, monsieur le professeur, monsieur le professeur Il dit Connaissez-vous ça, la nageologie Monsieur le professeur fait comme. Tu sais quoi, matelot, là? Il dit non, je connais pas la, la nagéologie. Monsieur le professeur, vous connaissez pas la nagéologie? Il dit non, je connais pas la nagéologie. Pauvre monsieur le professeur, vous connaissez pas la nagéologie? On vous avez perdu 100% de la rive parce qu'on vient de frapper un rocher et seul, seulement ceux et celles qui savent nager vont pouvoir retrouver la rive. Et monsieur le professeur a perdu 100% de sa vie. La morale de cette histoire, c'est quoi? Vous avez beau connaître. Tous les logis du monde, si vous ne sautez pas dans l'eau et apprenez à nager, jamais vous allez pouvoir transformer votre réalité. Que ce soit la psychologie, que ce soit la biologie, que ce soit la neuroscience, que ce soit le PNL, que ce soit euh, la... peu importe, n'importe quoi en fait, tous les cours, les formations que vous prenez, tous les outils, le tournevis plat, le marteau, les pinces et tout, si vous avez beau connaître, restez, restez pris dans l'axe de la connaissance. Vous, avez, vous vous rappelez, moi, dans mon dernier webinaire, dans le, le dernier live que je vous ai partagé, je pense que je peux même vous le repartager ici rapidement, je suis capable de bouger vite. Rappelez-vous l'axe de conscience que je vous avais partagé. Euh, je, peux, je suis capable de me trouver ça très rapidement. L'axe de la connaissance, ici. Donc, le monsieur le professeur était dans l'axe de la connaissance, il en connaissait des choses, il en connaissait des choses. Ah, monsieur le professeur était tellement intelligent, il connaissait tellement de choses, monsieur le professeur. Mais monsieur le professeur, il ne connaissait pas la nagéologie. Et la nagéologie, elle se développe où la nagéologie? Ici, dans le deuxième axe. Dans l'axe de la maîtrise. Mais pour pouvoir développer la nagéologie, il faut absolument pouvoir passer par l'axe de la libération parce que c'est impossible d'apprendre à nager si on ne vient pas accueillir et apprivoiser nos peurs d'abord et avant tout. Hein? Chaque fois qu'on a envie de transcender quelque chose, que ce soit un changement de carrière, que ce soit je ne sais pas arrêter d'être sur de la. peu importe de la médication, que ce soit. Euh, je ne sais pas, euh, que ce soit par, être en couple avec quelqu'un, que ce soit se séparer et se choisir, que ce soit prendre ses réères et partir à l'aventure, que ce soit une transformation dans une vie. Hein? Un changement de maison, un changement de ville, peu importe. Une, une reprise en main. À chaque fois qu'on a quelque chose à changer, on a absolument besoin de passer par la connaissance. On appelle ça la connaissance juste. Après ça, passer par la maîtrise, la maîtrise de ces connaissances-là. Et après ça, c'est là qu'on va développer la nagéologie. Hein? Après ça, de cette maîtrise-là, on va libérer l'ancienne version de nous-mêmes qui ne connaissait pas ça, qui était pris dans ses croyances limitantes, dans ses perceptions limitantes, dans ses peurs. Dans, dans le petit humain, rappelez-vous, il n'est pas à côté de moi. Ah hein? oh, oui, il est à côté de moi, il est en arrière de moi. ici, mon coco. Coucou, ouais, par ici. Hein, lui, il apprend à nager, mon petit humain, mais de temps en temps, il juge l'eau parce que le problème, c'est pas lui, c'est l'eau le problème et c'est les autres le problème. Mais tant ce longtemps qu'on n'apprend pas à faire, à mourir dans la libération, dans la perception, dans les croyances, dans notre, ma limitation de mon esprit, jamais, 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 je peux manifester, le troisième axe, pleinement mon véritable potentiel, un potentiel humain mais un potentiel divin, la nageologie. Et très longtemps, mes amis, de mon côté, j'ai été passionné par le tournevis plat. Ah oui, puis je disais à tout le monde que le tournavis plat, je le connaissais. Ah, oh, je le sais, je le sais, je le sais. Et moi, j'avais fait des formations avec Robbins, avec Don Miguel Ruiz avec Neil Donald Walsh, avec Ed Cartolé en PNL, avec Annie Marquet à l'Institut du développement de la personne, comprendre le fonctionnement de l'ego, plein de choses. J'avais mis plein d'argent en développement personnel. Et moi, je faisais partie de ceux et celles qui le savaient. Moi, je le sais, je le sais. Et j'avais des certificats hein, de certifié en hypnose, certifié en PNL, certifié. J'avais des certificats, je le savais, je le savais. Mais je ne prenais pas ma place. Que ça soit sur le web, que ça soit en formation, que ça soit en, 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 en conférence, parce que je me disais que j'étais pas assez. Je suis pas à la hauteur. Je me, je me faisais des croyances. Je me faisais des. Je, des, euh, des, je m'inventais des histoires, en fait. Je m'inventais des histoires, complètement, parce que je mordais à ce que les intervenants du développement personnel pouvaient dire à ce moment-là que ça existe, le syndrome de l'imposteur. La gang, ça n'existe pas, le syndrome de l'imposteur. Ça n'existe pas. Ça existe si toi, tu penses que ça existe. C'est une conception qui existe. C'est clair, c'est comme n'importe quoi. C'est comme l'ego, ça n'existe pas. Toi, si tu crois que ça existe, ça existe. J'utilise l'ego pour t'enseigner, mais il n'y a pas une pièce dans ton corps qui s'appelle l'ego. Il y a plein de concepts qui ont été enseignés, il y en a plein qui sont désuets, soit dit en passant en développement personnel, hein? On, on évolue, l'être humain évolue, la compréhension de l'esprit humain, de la matière, de l'énergie évolue. On doit synthétiser, on doit vulgariser, on doit simplifier afin de pouvoir passer de l'axe de la connaissance en haut. Si je fais ça comme ça, est-ce que ça pourrait marcher, mon affaire? J'essaye quelque chose. Si euh, mm, 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 je fais ça de même, ah oui, coucou. Hein? Afin de passer de l'axe de la connaissance en haut, boum, à l'axe de l'intégration, de la maîtrise. L'axe de la maîtrise, c'est celle-là où est-ce que... Des saturations. De l'esprit. Donc, imaginez que votre esprit, c'est un bol comme ça, mes amis. OK? Et votre job à vous, c'est de s'assurer que le bol soit vide. Parce que si le bol, il est plein, vous allez être réactif. La vie coule constamment. Vous n'avez pas de mémoire tampon. Vous, avez pas, vous allez être réactif comme un ordinateur qui est plein, là, à pas de mémoire tampon, à elle, elle, elle processe pas bien. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? C'est les seules causes du stress, 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 c'est les seules causes du stress. Il est pas canalisé parce qu'il n'y a pas de mémoire tampon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à faire la paix à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que le stress, là, avant d'embarquer en live, il y a un minimum de stress, mais j'ai de la mémoire tampon. Tu j'ai Je ne okay, savais même pas que j'allais partir dans cette direction-là. Moi, je savais que je vous faisais un live aujourd'hui, mais j'avais aucune idée, j'allais partir avec ma nageologie, aucune idée. À une minute avant de dire allô, je ne sais pas de quoi je vais parler. C'est toujours comme ça. Maintenant, je sais que quand j'embarque, je fais confiance à un acte de foi, c'est ce que j'enseigne, ça apparaît à l'intérieur de moi. D'accord? Alors, pourquoi on est réactif? Pourquoi on est anxieux? Pourquoi qu'on est angoissé? Pourquoi on cherche à contrôler? Pourquoi que on ne dort pas bien? Pourquoi qu'on... Parce que l'esprit est plein, on n'a pas appris à emmener la paix à l'intérieur de nous, à développer le calme intérieur, la tranquillité à l'intérieur de nous, à développer ce qu'on appelle l'équanimité d'esprit, ce point neutre, ce point zéro à l'intérieur de nous, que peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, hein, on va avoir une capacité adaptative à gérer ce trop-plein-là. Mais si on est rempli, comme ça. Là, on ne parle pas du cœur, on ne parle pas d'amour. Si on est rempli dans notre tête, rempli, ça veut dire quoi? Saturé. Si on est saturé parce qu'on fait plein de réseaux sociaux, plein de Facebook, on a mis une notification. By the way, vous ne devriez tellement pas avoir vos notifications Facebook sur le téléphone. Je suis content quand je vois des gens en live sur YouTube avec moi ou sur Facebook avec moi. Je suis content que vous ayez une notification. Mais, mais honnêtement, entre vous et moi, je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour avoir la, la, développer le plus de monde qui me suivent. Moi, là, je ne veux pas créer des followers ou des suiveurs. Moi, je veux éduquer, je veux éveiller les consciences, je veux mobiliser. Puis, je veux qu'on se dise hey, « Hey, attendez un peu. là. On est la plus belle machine au monde. là. C'est le temps de s'éveiller. Une » Une des choses que j'enseigne dans le reset, dans les premiers pas, enlever les notifications sur votre téléphone. Vous devriez tellement pas avoir ça sur votre ordinateur parce qu'on est inconscient de ce que l'on fait. On est inconscient littéralement. On est constamment en train de, de perdre notre attention, perdre notre attention, perdre notre attention. Et tout ça, ça fait qu'on devient un schéma. Ça devient un schéma à l'intérieur de nous et on perd notre attention. On n'est plus focus. Et là, à chaque fois qu'on perd notre attention, on capte de la nouvelle information et on devient saturé très, 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 très rapidement. Et pourtant, on sait que le, la, la pleine réalisation se cache et la paix et la connexion se cachent dans l'instant présent. Au lieu d'être multitasking, One tasking. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi, je le dis. Hein? Une chose à la fois. Boom, boom. Restez focus le plus possible. Alors, je reviens ici sur l'esprit. Mon ami euh, Bruce Lee, que je vous invite à lire un livre. Vous m'avez probablement déjà entendu euh, dire euh, à propos de Bruce Lee j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle « Be water, my friend ». Et c'est tellement bon. Là. Moi, je l'ai mangé parce que c'est en alignement avec tout ce que je partage. Be water my friend, en fait, ça parle de quoi Ça parle d'une grande capacité d'adaptation. Un être humain évolué aujourd'hui en 2021, c'est un être humain qui arrive à s'adapter, pas à s'adapter dans un monde de fou, hein? à s'adapter, à avoir un vivant en pleine santé qui peut vivre une situation de stress, mais qui revient. S'adapter, ça veut dire pas dépasser hein, notre capacité adaptative. Puis c'est plus fonctionnel, puis avoir envie de pleurer, puis vouloir se battre, puis vouloir contrôler, ça, c'est pas adapté ça, c'est être esclave, être sur le pilote automatique. La pleine conscience, les enseignements de pleine conscience, quand je vous donne la main, puis je vous enseigne dans mon programme Reset, entre autres, c'est que je vous enseigne à vivre en pleine conscience. On va aller expérimenter la limite de notre capacité d'adaptation afin de grandir notre zone de confort, grandir le potentiel auquel on a accès. Mais la guérison s'effectue toujours... Ouf, quand on revient en zone neutre où est-ce qu'il y a de l'espace, on appelle ça la zone de régénération. Hein? J'en ai parlé dans les derniers lives. Donc, mon ami Bruce Lee, ce qu'il disait, lui, c'est qu'on doit apprendre à vider notre couple. Notre couple. En fait, parce que plus tu vides ton esprit, tu fais le vide à l'intérieur de toi, plus tu apaises ton esprit. Plus tu apaises ton esprit par cause et effet, plus la, la, le calme, la quiétude, la tranquillité, Que tu viens de déposer. Et par cause et effet, si tu entretiens, tu cultives cet espace-là, la paix s'installe. Par cause et effet, si tu cultives cet espace-là, même s'il y a des pensées au début, beaucoup, c'est correct, ça s'apaise, c'est un travail, on n'oubliez pas l'axe de la maîtrise, c'est ça qu'on développe. Il y a des pensées au début en méditation, on en a beaucoup, puis le but, ce n'est pas d'avoir de pensées, c'est d'apaiser les pensées et par la suite, qu'est-ce qui se passe le canal commence à ouvrir. Quand le canal commence à ouvrir, qu'est-ce qui se passe Il une connexion avec votre nature véritable, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la Kundalini, avec appelez ça comme vous voulez, avec l'énergie, le chi, l'énergie vitale qui passe à l'intérieur de vous. À partir de ce moment-là, quand ça ça commence à partir à l'intérieur de vous, fou, Wow! Là, c'est la fontaine de Jouvence commence à revenir, la clarté commence à s'installer. À, à ok, là, on commence à ressentir le flot. C'est une chose. Par contre, il y en a plein qui ont le schéma, et moi, j'ai eu ce schéma-là très longtemps. Quand je retouchais à ce souffle de vie-là, ben, j'étais dangereux parce que je pensais que c'était parti. Ouh! Je recrachais tout de suite après. Et jusqu'à temps qu'à un moment donné, par hasard, par défaut, je finissais par trouver cet axe-là. Et là, ma vie, elle faisait... Ici, je doutais, je me comparais, je me critiquais. Les autres sont meilleurs que moi. Puis ici, c'est parti, c'est un égide Genie, Tu vois, ça va fonctionner cette fois-ci. Je le sens, je le sens, je le sens. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vous me voyez venir, là. Oh! Ça marche-tu? Ha-ha-ha <laughs> ha Et ça, ma belle gang, ça, c'est quand qu on pense qu'on est arrivé. Ça, c'est quand qu'on pense qu'on est parvenu. En hein, dire Oh, le lit, je le je, je le sens, je le sens, je le sens, là, je suis en alignement comme jamais! Le moment que tu penses que tu es arrivé puis que tu es en alignement comme jamais, attache ta tuque avec de la broche. Je ne sais pas si. De côté, je me fie sur toi pour me dire si le son il est bon, OK? Parce que la dernière fois, on avait des problèmes dans le dans le live. Donc, je me fie sur toi dans Skype pour me dire si mon son il est bon. Alors. Quand on pense qu'on est arrivé, quand on pense qu'on est parvenu, mais à partir de ce moment-là, on finit par crasher pas longtemps après. Mais c'est normal. C'est l'expansion-contraction. Chaque expansion emmène son équivalent en contraction. Chaque contraction emmène son équivalent en expansion. C'est la vie! C'est la vie! La pleine conscience nous apprend à être vigilant. La pleine conscience nous apprend à s'observer. La pleine conscience nous apprend à se maîtriser. La pleine conscience nous apprend à se libérer, à se purifier, hein, à se dépouiller, à mourir dans une ancienne version de nous-mêmes pour la pleine conscience va venir nous apprendre à manifester, créer, hein, exprimer une vie pleine de sens et de conscience. Utiliser notre propre pouvoir de création, entre autres avec tous les lois, mais entre autres avec la loi d'attraction, afin d'attirer à nous l'équivalent de la fréquence qui vibre à l'intérieur de nous. Mais nous, avec la pleine conscience, on veut s'assurer que cette fréquence-là soit de la source et non du petit humain. Que lui, il veut quelque chose pour se prouver, prouver à ses amis. Il veut montrer qu'il est parfait, une mère parfaite, une épouse parfaite, une conjointe parfaite, une amie parfaite, une fille parfaite. Et à ce moment-là, quand on cherche à être ce genre de modèle parfait-là, on est dans une énergie de manque, on est pris dans nos blessures, hein, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, puis on veut être aimé, fait qu'on manifeste constamment des situations conflictuelles qui fait qu'on ne se sent pas à la hauteur. Ce, ce jeu-là, là, il est parfaitement conçu, les amis. Parfaitement conçu. La façon dont vous exprimez le vivant, la façon dont vous, vous, vous récoltez le vivant, vous, vous jouez le, la vie, finalement. Les résultats que vous avez... Sont causalités, sont l'effet de votre création interne. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Maintenant, tout ça, on n'a pas appris ça à l'école. Je le répète, hein, je le répète plein de fois. Moi, euh, j'accompagne plein de profs, hein, plein d'enseignantes qui emmènent de plus en plus à l'école ces enseignements-là, mes outils, mon livre ici, j'en ai. Mon livre ici. Euh, tout est toujours parfait, bien sûr, mais mon livre ici, Reconnecte avec toi. On a plein d'éducatrices, plein d'écoles, plein de directions qui nous approchent pour avoir les livres, pour, pour même utiliser le matériel pédagogique de euh, Reconnecte avec toi, où est-ce que j'enseigne la pleine conscience pour les enfants? Regardez quest ce qu'on enseigne. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Il faudrait que je me fasse faire une image de ça, ça serait plus facile. Regardez le premier point, plus ici. Ici? Ah, ici. Premier point, allez-vous le voir, uh, papa? La respiration. Deuxième point, l'observation. Troisième point, oh, et vas-tu le faire, ma caméra? Ah ouais, beauté. La loupe. Quatrième point, tout change. Cinquième point, l'amour de soi. Wow. Pour les enfants, si moi j'avais eu ça à l'école, apprendre à m'aimer. Si moi j'avais eu ça à l'école, apprendre que tous tes changements, tous tes mouvements, l'impermanence, si moi j'avais eu ça à l'école, ce à quoi tu mets ton attention prend de l'expansion, que tu mets ton attention sur tes peurs, que tu mets ton attention sur tes problèmes, que tu mets ton attention sur ton syndrome d'imposteur. Que tu mettes ton attention sur ton agitation mentale, sur ta crise de panique, sur ta présentation de demain, sur euh, qu'est-ce que les autres ont dit, sur à quoi tu mets ton attention, prends de l'expansion. C'est pas un concept, la gang. C'est une loi du vivant. Moi, non, j'enseigne pas la... Puis j'ai rien contre ça parce que c'est tous des outils qui m'ont aidé énormément. J'enseigne pas l'hypnose. J'enseigne pas la PNL, j'enseigne pas la neuroscience, j'enseigne pas euh, le, 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 être en affaires, j'ai des entrepreneurs, j'enseigne pas comment créer ça. Non, j'enseigne la pleine conscience qui est un allié à la PNL, à l'hypnose, mais ce qui, qui te montre, qui, t, tu es qui? Comment tu fonctionnes et dans quel monde tu évolues? C'est des outils de base qu'on devrait avoir. L'art de vivre en pleine conscience, c'est l'art d'être en harmonie avec le vivant, de danser avec le vivant, de co-créer avec le vivant à partir de la source d'un autre niveau de conscience que tu es, qui peut avoir été, voilà, quelques années, ésotérique, qui pouvait faire peur, qui pouvait être sectaire. Moi, j'ai décidé de dire Hey, moi, je vais être de ceux et celles qui vont mettre leur kilote et qui vont dire Hey, hey, attends, attends, on a peut-être peur de où est-ce qu'elle est la source finalement. On a, peut on a peur de la solution. On a peur de notre propre lumière. Mais tu sais quoi? Moi, je vais faire l'acte de foi de ne pas avoir peur de ma lumière. Je vais faire partie de ceux et celles qui ont envie d'emmener ce changement-là. Pas juste qui veulent enseigner selon les certificats qu'ils ont eu, selon un ordre. Non. Qui vont incarner au plus profond de leur cellule en comprenant que les autres là, sont tous issus de la même source. On est tous issus de la même source. On a tous un potentiel exceptionnel. Il faut juste apprendre à le cultiver. Et on le cultive avec la nagéologie, en mettant un pied dedans, avec de temps en temps un cancer, avec de temps en temps une séparation, avec un accouchement qui ne se passe pas comme, comme prévu, avec un, une enfance qui n'a pas été facile. On t'a perdu tes parents. Euh, tu as dû te faire avorter, peut-être. Euh, tu as eu des, des gros problèmes de, de, de consommation de drogue, de jeu. Euh, ton enfant, je ne sais pas, il vit l'intimidation à l'école. L'autre, il a besoin d'être hospitalisé. Chacun d'entre nous, ma belle gang, là, on vit nos défis dans la vie. Ces défis-là, ce sont des résistances qui nous forcent à tourner le regard vers l'intérieur. Soit que nous sommes esclaves de ces défis-là. Ou soit qu'on prenne notre responsabilité, qu'on s'incline devant le vivant, on s'incline devant voici ce que je fais comme expérience présentement. Cela aussi changera. Ce n'est pas ça la vie, c'est aussi ça la vie. C'est important de comprendre. La vie, c'est pas le COVID. La vie, c'est pas Donald Trump. La vie, c'est pas le gouvernement de merde. La vie, c'est pas le confinement. La vie, c'est pas les, les, les gros manipulateurs ou les pervers narcissiques. Non, la vie, c'est aussi Donald Trump, les pervers narcissiques. Le, 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 peu importe, n'importe quoi, mais c'est aussi l'amour. C'est aussi la bienveillance, la douceur, la compassion, la possibilité, la prospérité, la guérison, les miracles. C'est aussi ça, la vie, la gagne La vie, c'est ça et ça. Et entre ça et ça. Il y a toute une palette de couleurs. Et toi, ta responsabilité, c'est de reprendre la maîtrise de ta machine, de ta conscience, de cultiver ta connaissance, venir la maîtriser, cette connaissance-là, développer ta vigilance, ton observation, reprendre la maîtrise de tes pensées, de ton intention, sur quoi tu portes ton attention, ta concentration, ensuite purifier tes perception limitante du petit humain afin de t'ouvrir à la vie, à ton potentiel qui se met à l'intérieur de toi, afin de manifester une vie pleine de sens et de conscience. La vie, c'est tous ces polarités-là. Vous savez, il existe, je l'ai dessus ici, je pense que je l'ai dans une de mes slides. Je reviens, je dois l'avoir. Juste ici. La vie, c'est ça. Le yin et le yang. Arrêtez d'essayer de vouloir enlever la souffrance dans le monde. Arrêtez de vouloir enlever que, que ton enfant ait du mal ou qu'il qu qu fasse l'expérience d'émotions de, de, négatives, de résistance. Quand tu ne veux pas que ton enfant vive de résistance, tu l'empêches de prendre contact avec ses ressources pour devenir un être humain encore plus euh, euh, ex, exprimé, pleine réalisation en progression. C'est grâce aux résistances qu'on progresse vers notre propre, notre pleine réalisation. Mais notre problème à nous, puisqu'on a l'esprit rempli, qu'on n'est pas en. On n'est pas. En, on n'est pas. En, on, est pas en, on va toutes les sortir d'avance. On n'est pas calme. On n'est pas en phase avec la vie. On n'est pas en amour avec la vie. On n'est pas en paix. On est rempli. On est saturé. Donc, on est réactif. Là, on veut sauver nos enfants. On veut sauver notre mère. On veut sauver le monde. On maudit après ceux qui ne pensent pas comme nous. On ne sont pas d'accord avec nous. Mais on ne comprend rien du vivant. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé de même puis on est sur le pilote automatique. Et c'est pour ça que c'est une des, des axes qui est le plus important. Une ou un des axes. Un axe une, axe, une axe, une belle axe, un beau axe, une belle axe. Ça doit être une. Ça doit être une. Hein? Moi, c'est ça. Ça, c'est moi, ça. ça c'est comme avant, avant, avant. avant. Ah oui, avant. On revient ici. Euh... Ah, ça ne donne rien. Je vais mettre l'image. Avant, moi, je voulais parler parfaitement avant de faire des conférences. Aïe, 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 je ne peux pas parler avec le langage que j'ai. Parce que moi, en français, je n'étais pas super bon. J'ai mon diplôme de secondaire 5, mais je l'ai eu comme j'ai eu, eu besoin d'aller travailler l'été pour pouvoir aller acquérir mon diplôme de secondaire 5. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai eu de la, la, la misère à avoir euh, toutes ces études-là. Et pourtant, je me, me débrouille quand même assez bien dans la vie. Et, et là, je pensais que je devais vraiment tout changer mon vocabulaire, puis je ne suis pas prêt à donner des conférences parce que je bafouille puis que pa, 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 puis je dis pas les bons mots, puis je fais pas les bonnes conjugaisons. Je m'en sors quand même pas si mal. J'ai quand même un impact sur beaucoup de personnes. Oui, je veux m'améliorer, puis je cherche à m'améliorer, puis des fois je réécoute mes vidéos et je me dis, oh my god, qu'est-ce que, que j'ai dit? Je me comprends même pas moi-même, mais j'en ris parce que j'aime qui que je suis. J'aime la personnalité imparfaite, parfaitement imparfaite, puis c'est parfait de même. Et, et si j'étais resté comme j'étais avant, mais jamais j'aurais un impact sur des centaines et des millions de personnes comme j'en ai maintenant. Jamais. Mais j'ai eu besoin, si on revient euh, plutôt, peut-être pas au yin et yang, mais si on revient plutôt, euh, j'ai eu besoin, si on revient dans celle-là. Pour manifester cette nouvelle version de François, j'ai besoin de mourir dans dans ces juste ici. J'ai besoin de mourir dans la perception de ce qu'il pense qu'il est. Mais avant, dans ma tête à moi, et hey, j'essaye quelque chose, je pensais que Pouh! Il fallait que j'aille chercher absolument la connaissance. Il me manque la connaissance, je ne parle pas bien, je dois parler comme un conférencier international, je dois faire ci, je dois faire ça. Je, dois, je, je pensais qu'il me manquait la connaissance, puis je suis qui J'ai beau avoir ces certificats-là, mais je trouvais toujours des gens qui sont meilleurs que moi pour enseigner, puis que, my God, qui y a une allocution, une allocution hein, exceptionnelle. Et pourtant, j'ai c'est mon don, pourtant, ma, la, ma parole, mais je le voyais pas. Hein, mon don, en fait, c'est de parler avec mon ressenti, c'est de parler avec mon cœur. Si je parle juste avec ma tête puis je m'exprime super bien, c'est une chose, mais c'est de faire ressentir le message. Ça a pris un bout avant que je le saisisse, mais j'ai eu besoin d'apprendre à me connaître. J'ai besoin d'apprendre à me maîtriser. J'ai besoin d'apprendre à faire la paix avec moi, à faire la paix, à emmener de l'espace sur mon désir, dans ma tête, à arrêter d'être réactif puis me conter des histoires sur le fait que je ne suis pas assez à la hauteur. Je vous mets en contexte. Vous avez deux, trois enfants. Vous les aimez, c'est la prunelle. Il y en a dessus hein? Ça va me permettre de boire de l'eau, là. Il y en a dessus des gens ici qui ont des enfants? Si oui, marquez, écrivez-moi dans les commentaires. Vous en aviez vous en avez combien? Des connus ou des inconnus, hein? J'en ai deux connus et j'en ai sept que je ne connais pas encore. Donc, exemple, vous en avez combien? Moi, j'en ai deux. Donc, on a un petit délai. Ça va permettre au petit François de respirer. Parce que quand je tombe dans mon énergie de flot, oh, ça embarque. 3 3 2 4 3 hey qui dit mieux on a 3 on a 5 claude on a 5 2 2 2 3 2 4 2 hey, OK on tourne autour de ça on tourne autour de ça imaginez vous avez 3 2 1 4 enfants vous les aimez comme la prunelle de vos yeux, ils sont tellement beaux. Puis vous savez, nos enfants, à quel point on les aime, sont imparfaits, mais on les aime tellement. On dirait, on dirait que les, les autres enfants sont pas comme les notes. Hein. Les notes, ils sont... Je veux pas dire ça parce que c'est la mienne, là, mais vraiment, là, ma fille. Hein. Ah, je veux pas dire ça parce que c'est mon gars, mais honnêtement, il est vraiment... Hein. On, on est tous comme ça, ou à peu près. Mais en même temps, il y a toute une petite partie qui... Imaginez que vous les aimez comme la prunelle de vos yeux, puis eux, ils viennent vous voir, puis ont de la misère à se réagir en disant « Je crois pas en moi, maman. Je crois pas en moi, puis moi, j'ai un d'imposteur, puis je suis qui pour faire ça, puis je suis pas à la hauteur pour faire ça. » Comment tu te sens? OK? Je... Sérieusement, mettez le doigt dessus. Sérieusement. Vous avez des enfants que vous aimez comme la prunelle de vos yeux. Et là, dites-moi pas « Moi, mon enfant, fait pas ça. » Non. Je vous mets en contexte. Vous avez des enfants que vous aimez comme la prunelle de vos yeux. Puis vous avez une confiance, vous, avez, vous savez qu'ils ont un potentiel exceptionnel, vous voyez clair à l'intérieur d'eux. Puis ils viennent vous voir, puis ils passent pas à l'action, puis ils ont peur, puis ils s'en font. Qu'est-ce que les autres vont dire? Puis j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Puis je suis qui, moi? Puis moi, je ne veux pas, puis je ne veux pas, faire, je veux pas vous prendre, euh, faire un acte de foi. J'ai trop peur, maman. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis tout ça. Hein? J'ai peur à l'avenir. Comment vous vous sentez pour le fun? Comment vous vous sentez? Aïe Sonia qui nous dit elle a 6 garçons et deux filles. Sonia. Oh, Sonia, elle aime ça faire des enfants, Sonia. Hein? Donc, on se sent, Manon, elle dit « Je me sens impuissante. » Effectivement, on se sent impuissant et il euh, y en a qui n'ont pas d'enfants, bien sûr. Euh, je leur dis « Fonce, ok, good, génial. Euh, Tristesse, impuissance, God génial. Ici, ça me déchire le cœur, mais je me rappelle moi avant, génial, impuissance. Il y en a d'autres ici, c'est plusieurs pour moi, dérouler les commentaires, impuissance. Triste, good. OK, on revient ici. Maintenant, ça, vous êtes maman, papa, qui écoutent leurs enfants. Mettez-vous maintenant à la place de Dieu, qui vous entend. Lui qui a créé la plus belle miracle, puis je dis lui, mais ce n'est même pas un lui ou un elle, c'est une force qui a créé le plus grand miracle de l'univers un miracle parfait, un miracle de pure régénération, de pure potentialité. Qui le miracle se dit moi je suis pas correct, moi je suis pas à la hauteur, moi je suis pas une bonne personne, moi je mérite pas d'être aimé, moi je suis pas une bonne vie, moi c'est pas mon bon karma, moi j'ai le syndrome de l'imposteur, moi les... qu'est-ce que les autres vont dire puis tout ça. Puis imagine qui est là puis vous entend, puis vous ressent. Puis qui dit oh my god. Pourtant es le plus beau miracle du monde. Regarde en toi. Regarde en toi. Arrête de chercher autour de toi. Arrête de chercher partout. Arrête que les autres te disent t'es qui. Regarde en toi. Ça là, comme ça. Flook. C'est un peu comme prends ma main. Viens voir. Viens me voir en toi. C'est ça que ça fait. Mais c'est comme vous, avec votre enfant, que vous auriez envie de prendre votre petite-fille, votre petit-garçon, puis dire, « Viens ici, mon coco. Viens ici, mon coco. C'est OK. C'est OK. Hé, hey, maman croit en toi. Maman croit vraiment en toi. étais tellement exceptionnel. Je suis tellement fier. Tu me rends tellement fier. » Mais c'est la même affaire avec Dieu, hein? avec quelque chose de plus grand, versus vous. Exactement la même chose qui te regarde à te culpabiliser, à te juger, à te pointer que tu n'es pas correct, que tu n'as pas été correct dans le passé, dans quelque chose qui est fini, là. Hein? Que tu n'es pas été correct. Moi, là, je n'en veux pas sur la troisième couche de peinture qu'il y avait avant celle-là. Mais non, c'est fini, c'est fini. Hein? Moi, je ne m'ennuie pas de l'ancien gazon qui était là avant que je coupe le gazon. Je ne m'ennuie pas de ça. Il y a des nuages. J'ai vu des nuages passer aujourd'hui. Ils ont passé. Je vous jure, je ne m'ennuie pas de ces nuages-là. Mais nous, à cause qu'on a des blocages, qu'on n'a pas accueillis, qu'on n'a pas accepté, qu'on n'a pas compris que la vie elle est les mouvements, on a arrêté notre pensée et on s'en veut d'avoir trompé notre mari. On s'en veut qu'il nous ait trompé, On est en maudit. On veut faire payer le prix. On a perdu. On a investi dans des mauvaises choses. On a pris des mauvaises décisions. On s'en fait sur le futur. Et parce qu'on n'a pas confiance en la vie. Confiance en la vie, c'est pas juste confiance à ce qui va s'en venir. C'est confiance à ce qui est. Le COVID, c'est une bénédiction, mes amis. C'est une bénédiction. C'est juste qu'on ne prend pas assez d'auteurs pour comprendre qu ce qui est en train de se passer. Hein? Un accouchement, c'est une bénédiction. Ma faillite a été une bénédiction. Mon burn-out a été une bénédiction. Mon accident de moto a été une bénédiction. Mon papa, quand il est décédé il y a deux ans, hein, ça n'a pas été facile. Je l'aime, j'aurais voulu passer encore plus de temps avec mon père, mais ça a été une bénédiction. Ça m'a fait faire un step énorme dans ma foi, dans mon engagement, dans mon inclinaison par rapport à la vie, dans mon amour du vivant. C'est comme j'ai fait un, un saut quantique à, à, quand mon père a gradué vers un autre niveau à chaque résistance, à chaque contraction, vient son équivalent en expansion. Maintenant, ce que je vous suggère à la gang, c'est de vous ouvrir à plus grand, sortir de qu'est-ce que l'on pense que c'est la vie parce que bien souvent on tourne dans la même vie à cause qu'on ne se pose pas les questions. On est pris, on prend notre voiture, on tourne en troisième rue, on va faire une commission, on s'en va au café, on s'en va à l'épicerie, on revient, on dépacque l'épicerie, hein, on flatte le chien, on fait faire les devoirs à l'enfant, on, 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 on se maquille, on regarde la télévision, une série Netflix, on regarde François Lemay sur Facebook, puis on ne se rend pas compte, mais on est juste pris dans le petit niveau de conscience. Hein? C'est correct, c'est là que ça joue aussi. Mais constamment, la gang, il faut prendre de la hauteur. Je suis constamment en train de me. Je me re... Oui, je me remets en question aussi. Mais je me pose toujours des questions sur l'existence. Ben oui, j'arriverai jamais à comprendre. Mais je m'incline. Je suis en amour profondément avec la vie, mais tellement. Je me prends tellement trop sérieux encore. Mais en même temps, je ris et je suis en amour avec le petit François qui se prend trop au sérieux. L'important, c'est que le voyage que tu es en train de faire, est-ce qu'il t'allume? Ouais, Peut-être que tu travailles beaucoup présentement. Mais oui, mais qui te dit qu'il ne fallait pas travailler? Peut-être que tu es pas chaud présentement à écouter à la télévision. Mais oui, mais qu'est-ce qui te dit que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Oui, mais regarde, tes amis ils sont en voyage, ils sont en train de faire telle, telle, telle chose. Mais oui, mais mêle-toi de tes affaires, ça c'est leur vie. Toi, tu as gagné un ticket, un billet pour venir jouer dans ta vie, dans ton voyage, de la vie. Assure-toi qu'il soit créé de façon cohérente. Assure-toi que, as, que tu exprimes ton plein potentiel. Et de temps en temps, tu as le droit d'écouter une série Netflix, tu comprends-tu? Tu t as le droit d'être Pacha dans ton lit, tu comprends-tu? Tu as le droit de te reprendre en main puis te remettre en mouvement puis de retrouver la vitalité. Mais ta job à toi, c'est de cultiver le vivant. Et de temps en temps, le vivant a besoin de régénération. De temps en temps, le vivant a besoin de se secouer, de se faire donner la main, de se recanaliser. Hein? Parce qu'il est parti de tout bord de côté, il a besoin de se recanaliser. De temps en temps, le, moment, le vivant a besoin d'inspiration, il a besoin de mise en mouvement, besoin d'être stimulé, des lois du vivant. Et ça, c'est notre job à nous de s'incliner devant ces lois-là d'apprendre à danser avec ces lois-là, hein, c'est ça qui est important. C'est apprendre à danser, pas apprendre à, à forcer. Pas se dire tu correct ma vie, est-ce que je suis correct dans la vie Non, non, attends, écoute-moi, écoute-moi, t'es assez, t'es assez, t'es assez, tu es déjà complet. Il manque rien, il manque absolument rien. À partir de ce moment-là, par contre, à partir du moment que tu sais que tu es complet, ta job à toi, c'est de cultiver le complet. Cultiver ce, cet espace de complétude. Pour que les épaules, pour que la tête, comme dit mon ami Bruce Lee, vide ta coupe. Si tu vides ta coupe, tu vas voir clair. Hein? Je prends cette bouteille-là ici. Si tu ne vides pas ta coupe, tu vas être agité. Mais tu vas être agité, la gang. Si t'es agité, t'es réactif, t'es impulsif. Moi, j'accompagne plein de gens dans un cheminement de pleine conscience, hein, dans des différentes formations, que ce soit d'une petite formation à une formation avancée. Et même dans les formations avancées, j'ai des gens qui sont de plus en plus en maîtrise, sont beaux, sont en harmonie. Et il arrive des moments dans la vie que oh, on l'échappe, on glisse un petit peu puis on tombe réactif. C'est pas grave, on ramasse des, 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 des bijoux, des ressources et on, on se ramène, on se ramène, on se ramène. Ah, oh, on vient d'élever notre niveau de maîtrise. Et quand on élève notre niveau de maîtrise, oh, on a accès à une vie encore plus grande, plus prospère, plus tranquille, plus paisible, plus jouissante. C'est ça le grand jeu de la vie c'est de cultiver le vivant en toi. Danser avec les vivants, arrêter de forcer, arrêter d'être contre le vivant. Arrêter d'être contre le vivant, ça c'est arrêter d'être contre les résistances. C'est là que c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, de s'éduquer. Parce que si tu t'éduques pas et tu viens pas chercher, exemple, de la connaissance que, comme je partage dans mes formations, mais quand je te dis de, de t'incliner devant les résistances, non, 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 non. Parce que lui il va dire... Fuck you, hein, excusez-moi, mais c'est ça qui va dire. Fuck you de m'incliner devant mon père qui me dit telle chose. Fuck you de m'incliner devant le gouvernement. Fuck you, mais c'est pas vrai. Je sais, il pense que je vais m'incliner. Ça, ça veut dire qu'on est pris dans le corps de souffrance. Mais ça l'emmène quoi ça? des problèmes de relations, je réattire les mêmes personnes qui sont alcooliques, qui t'abassent, qui te respectent pas, qui t'honorent pas, euh, tu réattires les mêmes problèmes financiers tout le temps, tu tournes dans la boucle de la pauvreté, de la résistance, et là tu critiques, puis tu, tu, tu résistes au monde qui font de l'argent, qui sont dans l'abondance, qui connaissent l'amour, puis ça te met dans une résistance, ça t'amène à basse conscience, juste parce que tu ne t'inclines pas devant le vivant. C'est pas t'incliner devant François Lemay, là. Ce pas t'incliner devant Jésus, là. c'est pas t'incliner devant Bouddha, là. C'est t'incliner devant la vie. Jésus et Bouddha disaient exactement cela, d'une façon totalement différente. C'est donc bien drôle. Là, vous n'avez pas vu, là. Je vous emmène ça. Regardez, Siri, ce qu'elle vient de me dire. Ah, il va te faire. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par disait exactement cela. <laughs> J'adore quand Siri me parle comme ça. En fait, ce qu'il disait, c'était que vous êtes en vie, vous êtes vivant et fais un acte de foi en ce qui est en train de se passer en ce moment. Tout est toujours parfait. Tout a tellement sa raison d'être. Tout conspire pour te ramener à la reconnexion. De qui tu es vraiment. Fais-moi confiance. C'est ça qu'il disait, c'était ça le message. Mais cependant, reprends la maîtrise de ton esprit. Apprends à pardonner. Apprends à faire la paix. Apprends à être amour, compassion. Guéris l'espace. Apaise l'esprit. Observe la nature. Rentre en communion, en co-création avec la nature. Et moi, honnêtement, la gang, j'ai été profondément en amour avec la Bible parce que j'ai lu la Bible plusieurs fois. J't un, j't un, je suis baptisé de religion catholique, mais aujourd'hui, je ne suis pas plus catholique que musulman, je vous jure. Je ne suis pas plus catholique que musulman, mais, mais tellement pas. Je ne suis pas plus musulman que juif, juif par contre. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je ne suis pas plus bouddhiste, même s'il y a plein d'éléments bouddhistes. Mais non, Bouddha n'a jamais demandé qu'il y ait le bouddhisme. Hein, c'est nous qu'on veut embarquer dans un cadre, dans un. Dans un... Non, la vie, elle n'est pas faite pour être dans un cadre. La vie, elle n'est pas faite pour être dans un pot. Hein? Et, et oui, temporairement, pour se mettre à intégrer, mais dès qu'on intègre, où, ça change. Donc, et on doit absolument constamment changer le contenant, puisque le contenu, il change constamment, fait qu'il faut changer le contenant, constamment. Donc, il ne faut pas arrêter. Et c'est ça la suggestion que je fais. Et il faut faire attention de ne pas basculer, de ne pas laisser la religion catholique pour la pleine conscience. Non, 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 c'est pas pour la pleine conscience. C'est Moi, là, je pourrais très bien être marié avec une musulmane, mais il n'y en aurait pas de problème. Il n'y aurait zéro problème. Je pourrais être marié avec une juive, mais il n'y aurait zéro problème. Je pourrais être marié avec quelqu'un qui est dans la religion catholique, puis ma, mon garçon, sa blonde pourrait être une musulmane. Il n'y aurait aucun problème, les amis, mais vraiment aucun problème, là. Mais vraiment aucun, aucun problème. L'important, c'est de le respect. Parce qu'en fait, que ça soit catholique, musulman, que ça soit athée, c'est celui-là le pire, en fait. Athée, il pense qu'il croit rien. Il croit qu'il ne croit rien. Donc, ça n'existe même pas, ça. Hein? Que ça soit peu importe. L'important, c'est que tu comprennes que, que ton code de vie que tu mets en application n'est que pure illusion de ton esprit et, et c'est ce qui va réguler. Tout le vivant dans ta cour, dans ton expérience, le long de ton existence. Jésus n'a jamais dit écoute ce que je te dis tu as besoin d'appliquer. Jamais, 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 jamais. jamais. Vous pourriez prendre la Bible si vous la maîtrisez et vous maîtrisez les paraboles et vous maîtrisez les enseignements. Vous pourriez prendre le Coran si vous le maîtrisez, les paraboles et les enseignements avec la profondeur. Et vous pourriez écouter, entre autres, des choses que je partage mais qui ne viennent pas nécessairement de moi, qui viennent de la nature. Et vous allez dire ils disent la même affaire. Mais oui, ils disent la même affaire. C'est juste que nous, c'est toujours la façon de percevoir les choses. Tout le temps, la façon. Change ta façon de percevoir les choses et les choses vont changer. Est-ce que tu es pris dans tes paradigmes? Est-ce que tu es pris dans tes paradigmes? Non, c'est comme ça. Il faut faire ça. C'est comme ça. C'est toi qui es souffrant. C'est toi qui es souffrant. Le moment que tu es pris dans tes paradigmes, puis tu dis, il n'est pas correct parce qu'il veut détruire Jésus. Hey, vous n'avez pas idée, hein? Jésus, je mettrais une statue de Jésus, de Jésus chez nous. Mais crois-moi que si je mets une statue de Jésus chez nous, il n'est pas sur sa croix. Ah, oh, il n'est pas sur sa croix. Si je mets une statue de Jésus chez nous, hein, il va être hey, Je pourrais me faire une belle photo de Jésus ici, parce que c'est un de mes modèles. Ah, Jésus, c'est un être ascensionné, c'est un être euh, illuminé. C'est hallucinant, c'est un modèle C'est mon modèle par excellence. Mais la religion catholique, mais non, 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 non merci. Mais par contre, non merci parce qu'il y a des limitations pour moi. Mais par contre. Toi, si tu es dans la religion catholique puis tu te formes à la pleine conscience, ça fonctionne ensemble. Tu n'as pas besoin de quitter ta religion pour pouvoir pour cultiver ton esprit. Que tu sois. Vous allez voir dans le reset, celui celle qui embarque dans le reset avec moi, j'ai des musulmans dans le reset et j'ai des catholiques dans le reset et j'ai des gens qui ne sont pas dans des religions. On est en train d'évoluer, la gang. L'important, c'est que tu sois en paix. Pourquoi que les musulmans doivent prier constamment? Parce qu'ils doivent emmener de l'espace, ils doivent s'en remettre, ils doivent garder la connexion avec la source. Hein? Cultiver une foi. c'est génial. Est-ce que c'est mauvais Mais non, c'est pas mauvais. Si on, méd... si on priait, on méditait toutes cinq fois par jour, on serait des êtres beaucoup meilleurs. Par contre, il y a des qualités, il y a des... il y a des façons de percevoir le vivant. En fait, il y a des niveaux de profondeur. Il y en a qui sont très sectaires. Mais non. La vie, elle, je m'en demande. Bouddha, Jésus, Allah, Krishna, Jéhovah, Tonka, Toyota, ils disaient toute la même affaire. La clé, la gang, c'est à l'intérieur de vous. Le moment où est-ce que vous sentez que vous êtes en paix, la seule chose que vous avez envie, c'est d'être amour. Puis quand vous êtes amour, vous avez juste envie de tolérer les différences. De tolérer les différences. Parce que vous comprenez que c'est la vie. Les différences dans les relations, c'est la même chose que les différences dans les températures. C'est la même chose que la différence dans les couleurs, et c'est la même chose que la différence dans les saisons. C'est la même chose que la différence dans les niveaux de chaleur, le chaud et le froid. C'est les différences, c'est les polarités, c'est le Yin et le Yang. Le monde se tient comme ça. C'est les bases du vivant que l'on doit apprendre. Mais en même temps, on est dans. Je pensais pas partir là-dedans, mais je suis là-dedans. On, on est dans une partie de l'humanité. Où est-ce qu'on est en train de dire, OK, on ne se battra pas pour les religions, on va comprendre que nous sommes tout ça en même temps. On est tout ça en même temps. Si j'ai une amie qui est musulmane qui vient me voir, jamais je vais essayer de la convertir, mais non! Moi, je veux qu'elle se réalise pleinement. Je connais tellement de gens qui sont musulmans. Moi, quand je suis allé au Maroc, là, j'ai jamais été accueilli d'une façon aussi bienveillante, avec énormément d'amour. Mais oui, nous autres ici en, en Occident, on, voit, on voyait les musulmans comme ceux et celles qui se font exploser pour les, le, sur la, pour, à cause des tours du World Trade Center. C'est pas ça, un musulman, c'est un être humain. Un catholique, c'est la même affaire. Mais il y a des purées dures dans n'importe quoi. Un entrepreneur, c'est ceux et celles qui profitent des autres, puis tout ça. Attends, moi, je suis un entrepreneur, puis je suis un, un entrepreneur en conscience, puis je suis un entrepreneur en conscience extrêmement prospère, parce que je cultive le vivant, mais il y en a d'autres qui vont profiter, c'est normal. C'est la vie. Mêle-toi de tes affaires. Je pense que je l'ai en photo ici. Excuse-moi quand je suis comme ça, là, mais ben, il ne va pas m'excuser. Un petit peu, regardez bien ça, j'ai tout ça ici, je dois l'avoir. Laisse-moi prendre quelques secondes. C'est sûr que je l'ai quelque part. Euh... Parce que vous allez pouvoir prendre une photo d'écran. Je l'ai fait faire parce que je me suis dit, quand je vais en parler en live, bingo, boom. J'enlève ma face, prends une photo de tout ça, la gang. J'enlève ma face comme ça. Euh, pas comme ça. Comme ça, pas comme ça non plus. Comme ça. Mêle-toi de tes affaires. Ce que ta femme a fait, ce que ta mère a fait, ta façon qu'elle pense, qu'elle juge, qu'elle critique, qu'elle s'auto-sabote, qu'elle vive des souffrances, que ton ami soit euh, catholique, juif, bouddhiste, que Donald Trump y agit d'une certaine façon, que le COVID arrive, que le vaccin arrive, que. Mêle-toi de tes affaires joue cultive tes pensées en direction de qu'est-ce que tu veux le monde extérieur il est en mouvement puis il est influencé par 7 milliards de projecteurs qui est de, des co-créations pareil comme toi et moi toi si tu veux cultiver une vie pleine de sens et de conscience tu dois te mêler de tes affaires et tu dois cultiver tes propres pensées peu importe la religion la gang et moi c'est un de mes rêves et il faut que je le fasse cette année de dire « Tu sais quoi, je vais faire un live comme celui-ci et je vais inviter un catholique, un juif, un bouddhiste. Un, un catholique, un juif, un musulman, un bouddhiste, bref, puis on va jaser, mais avec du respect. Avec du respect. Avec quelqu'un qui est voilé quelqu'un... Respectueux. Parce que nous, nous même si on se dit « Tu sais quoi, moi je suis pas dans aucune religion, mais moi le voile, là, je trouve ça pas de du bon sens. » Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Si elle, elle le fait, puis est bien avec ça... Mêle-toi de tes affaires. Respecte. Mais là, nous, on a peur de se faire avoir. Comprenez? Et ça, ça aussi, c'est de la pleine conscience, la gagne. Parce que à chaque fois je ne me mêle pas de mes affaires, le monde extérieur. Hein? Il y a quelqu'un qui ne marque plus de son, plus d'image. Est-ce que vous me voyez encore? Faites juste me, me faire. Euh, si je vais voir si j'envoie un autre. Juste être sûr. Faites juste me faire signe si vous me voyez. Minding. On... OK, parfait. Oui, on l'a encore. À chaque fois je me mêle pas de mes affaires, il se passe quoi? Mon vase il est plein. Il se remplit. Je suis réactif. Je critique. Je juge. Hein? Ils sont dangereux. Ils ne devraient pas faire ça. C'est pas de même que ça fonctionne dans la vie et tout ça. Et on remplit, on devient saturé, on devient saturé. On se sent incomplet. Et quand je me sens incomplet, qu'est-ce qui se passe Je me mets à performer, je me mets à consommer, je me mets et là j'ai peur d'avoir peur. Je fais de l'angoisse, de l'anxiété. Je dors pas bien, je gère pas bien. Je m'en vais voir le médicament. Je m'en vais voir le, 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 le médecin. Il est surchargé, le système hospitalier est surchargé. Il a pas le temps de cultiver sa conscience non plus. Mais il a pris les symptômes. Il donne des médicaments qui nourrissent une grande entreprise puis tout ça. La faute c'est pas les autres la gang. La faute c'est pas le gouvernement. La faute c'est pas les médecins. La faute c'est pas la société. C'est nous qui dormons, gaz tout simplement. OK, j'ai fait ma montée de lait. Je ne pensais pas m'en aller dans cette direction-là, mais c'est aussi ça, François Lamé. C'est aussi ça, François Lamé. De temps en temps, il est plein d'amour, plein de bienveillance. Bien souvent, il est con, il est drôle, et bien souvent, il brasse, puis il choque, puis il dérange. Mais c'est comme ça qu'on se défait de schéma. On ne se défait jamais de schéma en, en faisant rien. On se défait de chemin en, en fondant d'amour, en ressentant l'amour, puis en faisant brasser nos fondations. Et ça, je peux vous dire que de temps en temps, c'est comme si je donnais un coup de pied, et il y a des choses qui deviennent fragiles. Mais après ça, avec amour, on vient les déconditionner, pour les reconditionner, pour remettre avec toujours plus de sens. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Pour vendre des programmes? Aussi. Parce que dans ma vie, je me réalise pleinement. Je parcours le monde, j'ai envie de triper, de réaliser mes projets et tout ça. Puis ça prend une ressource qu'on appelle l'argent. Et moi, je suis dans un monde où est-ce que j'ai choisi de cultiver l'abondance. Il y a des gens qui choisissent que ce n'est pas important pour eux l'abondance. Moi, j'ai fini d'avoir ce genre de pensée-là parce que c'est pas plus difficile de cultiver l'abondance que de cultiver. Mais moi, l'argent c'est pas si nécessaire que ça. Moi, j'ai eu ça longtemps. Moi, l'argent c'est pas important. Non, non. Quand le moment que j'ai compris que moi, l'argent je veux, c'est tellement pas assez important que je veux juste pas en manquer. Hein? Je veux en avoir en abondance pour pouvoir réaliser tous mes projets. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à cultiver une vie pleine de sens et de conscience, un jardin et j'ai commencé à semer hein, des actions, une série d'actions qui emmènent l'abondance. C'est simple. Le bon Dieu il t'emmène ce que tu veux. Le bon Dieu choisit pas pour toi. Donc moi, j'ai décidé de choisir tout ça. Mais pourquoi profondément? Je fais tout ça. Pourquoi profondément? Des fois, je monte en énergie comme ça, puis je shake, puis euh, parce que je crois profondément qu'on est la plus belle machine au monde. Qu'on est dans une période de l'humanité où est-ce qu'on est en train de se réveiller, la gang. Et il y a de tous les types d'enseignants, et c'est correct, ça fait partie de la game. Un chemin qui me parle depuis des années que je cultive depuis... Peut-être deux ans, soyons honnêtes. Mais qui m'a intéressé avant ça. Avant, c'était l'univers qui m'intéressait. Oh, les lois de l'univers. Mets ça dans vous. En, Envoyez ça dans l'univers. envoie ça. Mais oui, Je me cachais devant quelqu derrière quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est. C'est tellement. C'est tellement nous. C'est tellement. Il y, a, il y a une source, il y a une énergie, qu'on un, qu appelle Dieu, qu'on appelle la lumière, qu'on appelle... Appelle ta spiritualité, mais dis le mot pour que tu arrives à. Si tu veux que ça soit univers, appelle ça univers. Si tu veux que ça soit nature, fais comme moi, cache ça derrière la nature. C'est même pas important. L'important, c'est que. L'important, c'est pas le mot. Moi, quand que je dis je me cachais derrière l'univers, je me cachais derrière la nature, ben c'était pas grave. C'est juste qu'à un moment donné, c'est devenu incohérent parce que je savais que le seul mot pour expliquer ça dans ma conscience à moi, ou est-ce que je suis dans mon évolution à moi, c'était Dieu. Et je ne disais pas Dieu d'avoir peur de me faire juger. Fait que là, le mot devenait, devenait un, un problème. Parce que le problème, c'est pas mot, euh, nature ou univers. Hein? C'est que, à cause que je ne dis pas l'autre mot pour ne pas me faire juger, il ah, y a une incohérence dans ma vibe, dans ma signature. Et là, à un moment donné, je me suis incliné, j'ai fait comme Ah, qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment? Elle demande de me dépouiller de mes résistances. Elle demande de me dépouiller du regard des autres. Elle demande de tourner mon regard à l'intérieur puis faire un acte de foi. Et la foi, commence à parler de Dieu à ta façon, à ta façon à toi. Pas comme le curé, pas comme l'autre, pas comme l'autre. Eux, ils font leur façon à eux, ils ont trouvé leur façon à eux. Toi, vas-y selon ce qui passe à l'intérieur de toi, puis peut-être que tu arriveras à vulgariser d'une certaine façon que tu vas permettre à d'autres personnes de réapprendre à cultiver leur foi. Voyons voir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai perdu plein de gens parce qu'ils ont eu peur quand j'ai commencé à parler de Dieu. Et par la suite, boum! Énorme expansion dans ma communauté de monde qui ont ça oh, qui et puis finalement, ah, oh, ça ramène de l'harmonie. Mais je vous répète, Dieu et la vie, c'est exactement la même chose pour moi. Le vivant, le souffle de vie à l'intérieur de nous. Et, et je crois que dans la partie qu'on est en train de vivre, on est dans une, une partie d'éveil où est-ce qu'il faut juste qu'on se rappelle qui on est. Et il y a de grandes chances que ton homme, que tes enfants, que ta femme peut-être, que ton père, que ta mère, que tes collègues de travail ne comprennent pas du tout ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et c'est correct. Et c'est OK. Ça va prendre des gens qui s'éveillent avant d'éveiller les masses. C'est normal. C'est juste normal. Maintenant, c'est acceptes-tu ta mission? Acceptes-tu pas une mission en disant c'est une mission puis je vais me battre? C'est pas ça du tout, par contre. Mais acceptes-tu ce qui coule en dedans de toi? dis il y a quelque chose qui est là, hein, qui va t'emmener une vitalité de commencer à vouloir agir différemment, de, de, de commencer à vouloir guérir l'espace dans lequel tu évolues, être amour, être douceur, te libérer de tes schémas, de tes mémoires, d'arrêter de vouloir pointer, critiquer, juger, de comprendre que quand tu fais ça, tu abaisses le niveau de conscience planétaire. Puis toi, tu voudrais changer le monde, puis dire, il faut, 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 faut faire attention aux ours polaires, puis il ne faut pas manger de viande, puis maudit gouvernement de merde. Tu rien compris. Si tu fais ça comme ça, tu n'as absolument rien compris. C'est de la cohérence que notre monde a de besoin. Et c'est de la tolérance que notre monde a de besoin. Parce que c'est facile, la gang. C'est facile à être. Une famille, puis se mobiliser, se donner la main, se réaligner. Une équipe de travail à 5, 6, 7, 8, 10, c'est un challenge, mais c'est possible. 8 milliards de personnes, c'est un challenge, la gang. Et si nous, on se croit à être des éveilleurs de conscience, on n'a rien compris. Moi, je suis un éveilleur de conscience, mais c'est qui qui éveille mes consciences? C'est celles et ceux qui sont dans la résistance. Donc, qu'est-ce qui dit que ce n'est pas eux les éveilleurs de conscience? Et que tu dis là, on va, va répéter. Moi, je crois que je suis un éveilleur de conscience. Mais je suis un éveilleur de conscience, pourquoi? Parce que le monde, est en, le monde est en incohérence, le monde sont perdus, le monde sont vides, c'est une perception de qu ce qu'on est en train de vivre comme humanité et tous les systèmes sont en train de dégringoler Les système financier, que ce soit boursier, euh, euh, les business, euh, le, les bancaires, le, 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 les hôpitaux, euh, l'éducation, les gouvernements. Tout ça, c'est en train de... Ça va bouger dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est sûr, la gang. C'est sûr, 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 Soit que je le critique ou soit que je commence déjà à prendre mes outils et à construire le nouveau monde. Et moi, c'est là que je m'en vais. Et c'est ça que je fais. Et c'est là que je donne la main à plein de personnes pour comprendre leur rôle dans ce nouveau monde-là. C'est un beau grand rêve. C'est un beau grand projet. Mais il se passe jour après jour. C'est pas dans deux ans que j'ai du résultat. C'est maintenant. Je me sens en paix. Je me sens en harmonie. J'ai un sourire dans, les, dans, dans le visage, j'ai des étoiles dans les yeux, je m'adapte dans les contractions, dans les pertes de sang, je m'adapte dans le travail de tout ça. Sais tu sais quoi? Je suis en amour avec la vie. Et pendant que la vie coule à l'intérieur de moi, elle me guérit à chaque instant. Au lieu que je suis en train de ruminer, elle abaisse mon système immunitaire, paf! Elle me, je me sens incomplet, je commence à tomber malade, malade mental, malade physique. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe, mais oui! Mais je crée pas l'environnement parfait pour que la vie puisse me nettoyer, pour que la vie puisse progresser à l'intérieur de moi. Je suis en résistance contre le vivant. Pourquoi? Parce que je crois que le vivant devrait fonctionner autrement que ça. Ça, c'est l'ego en tas. Danser avec la vie. cultivez la vie en pleine conscience. Et mêle-toi des affaires. Mêle-toi de tes affaires. Vide ton esprit comme ça. Amène la paix à travers ta machine. Question, j'aimerais savoir et comprendre quand tu dis incliné, est-ce que tu veux dire lâcher prise? Vous m'entendez jamais dire lâcher prise. Lâcher prise, c'est-tu les arbres qui ont inventé ça? Ou c'est des intervenants comme moi en développement personnel? Un, un, Quelqu'un qui est orgueilleux, là. Quelqu'un qui a un égo solide, là. Quelqu'un qui est control freak, là. La dernière chose qu'il veut entendre, c'est lâcher prise. Puis dans sa tête, là, dans ses logiciels, faut pas oublier qu'une tête, c'est un logiciel, d'accord? Un cerveau, c'est un logiciel. Le problème, c'est quand tu essaies de contrôler ton cerveau avec ton cerveau. Ah! Oh, là, tu es pris. Là, tu es pris. Tu veux reprogrammer ton cerveau avec ton cerveau. Ton ordinateur veut reprogrammer l'ordinateur avec un ordinateur. J'ai été là longtemps, je le comprends. Mais là, tu es pris. Là, tu es pris parce que là, tu n'es plus dans la conscience. Hein, tu es en train, avec la connaissance, avec le, avec le virus, tu es en train d'essayer d'enlever le virus, mais tu es en train de créer un nouveau virus pour enlever l'autre virus. Du grand n'importe quoi. faut que tu prennes de la hauteur. P1, P2. P1, ton cerveau, ton ego, ton, ton petit mental, et c'est parfait. Et P2, au niveau de ton âme, c'est là que tu vas observer, c'est là que tu vas ouf, emmener de l'espace, c'est là que tu vas influencer hein, l'impulsion, hein, qui va devenir l'intention, puis qui va influencer le circuit informatique qui, a, qui est ici. Constamment. Donc, je ne parle pas de lâcher prise, je parle plutôt d'être en harmonie avec la vie. Ça, c'est s'adapter. Dans le prochain reset que je vais faire, c'est probablement un des points les plus grands que je vais parler. La, développer la capacité adaptative qui fait qu'on arrête de faire des up and down, qui fait qu'on arrête d'être dépressif, qui fait qu'on arrête d'être, qu'on n'a plus nos passions, qui fait qu'on arrête de se taper dessus quand qu'on n'est pas, qui fait que c'est une des plus grandes qualités à l'être humain. Développer sa capacité adaptative. Et pour ça, il faut apprendre entre autres à vider la coupe. Il y a d'autres petites techniques, entre autres comme de la, des méditations, des bains froids, des douches froides. Il y a plein de choses qui permettent de développer. Il y a plein de choses. Pas, ça, c'est juste deux petites choses. Il y a plein de choses qui, qui permettent de développer notre capacité adaptative. Hein? Sortir de notre zone de confort, commencer à demander un petit quelque chose, agir selon un schéma qu'on n'a pas tendance à agir. Il faut développer notre capacité adaptative pour pouvoir transcender, changer se transformer et arrêter d'être esclave de nos anciens schémas, de nos anciens conditionnements. Ok? Donc, et, et donc accueillir, remplacer le mot lâcher-prise, c'est ma suggestion. Moi, je vulgarise. là. Moi, je ne moi, suis pas un médecin, je ne suis pas un mécanicien, je ne suis pas un agriculteur, je suis pas un psychologue, je ne suis pas un nutritionniste. Je suis un chercheur. Je suis un chercheur, je suis un... Passionné du vivant. Je, 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 je suis émerveillé par le vivant, par le macro et par le micro. Et ma job à moi, c'est de chercher les faire les ponts, les analogies dans les lois du vivant, autant dans les étoiles que dans ma biote intestinale, que dans la forêt. Puis le moment où est-ce que je mets le doigt sur les grandes lois, les grandes vérités universelles, je les incarne dans ma vie parce que c'est à cause que je les incarne que j'ai la prospérité. Voici, je viens de vous vulgariser ma façon d'être et ma façon de faire au quotidien. Elle ne provient pas de directement de la Bible. Elle ne revient pas directement de n'importe quel autre livre. Par contre, il y a des, si on arrive à bien lire ou à bien ressentir qu ce que disait le Christ, c'est exactement ça. Comprends les grandes lois et incarne-toi dans l'énergie du Christ, incarne-toi dans l'énergie du Bouddha. C'est exactement ce qui était partagé. Là, c'est incarne-toi dans les lois du vivant. Donc, c'est pas une... Personne, et Jésus, puis Bouddha n'ont jamais demandé ça. Là. Je, les, je les défends. Là. Ils ne sont pas là pour se défendre. Ils n'ont jamais demandé ça. Ils n'ont jamais demandé ça. Ils ont demandé de honorer le vivant, toi. Honore le vivant, toi. Connais-toi toi-même. Et moi, ça fait pas longtemps que j'ai décidé de prendre cette position-là, au lieu de me je suis un expert en anciennement pleine conscience, je vais vous enseigner comment vivre la vie. <laughs> non, c'est fini. Il y a quelques années, j'ai tout déchiqueté mes certificats. Et là, j'ai envie de, 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 de dépouiller euh, tous les beaux titres que je me donne. Ah, je suis un conférencier international, un auteur de best-seller. Et ce gars-là, il un 5 millions de personnes par semaine. Ah, J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, là, je suis un passionné du vivant. Moi, là, je veux étudier le, le, le vivant en moi. Hein? Voir quest ce qui se passe quand j'applique telle chose dans, ma, dans, dans la lumière qui coule à l'intérieur de moi, dans, mes, dans mon chien, dans la relation, entre moi, et mon chien, dans les plantes, dans la relation, entre moi, et la plante, dans, avec ma communauté, dans ma relation avec moi et ma, ma communauté. Qu'est-ce qui se passe quand je suis connecté? Qu'est-ce qu qui se passe quand j'ouvre le canal avec ma communauté? C'est quoi le retour qu'il y a? Moi, c'est le vivant dans mon jardin, dans mes plates-bandes, dans tout. Dans tout. Dans tout, tout j'ai envie de jouir. Il est simple. Moi, je suis venu ici pour jouir. ah oui! Je vous le dis, là, je suis venu ici pour jouir. C'est comme ça. Mais pour jouir, il faut que j'accueille les moments où est-ce que je suis en résistance. Le moment où est-ce qu'il y a de la résistance, parce que je, me, je, je comprends qu'à chaque fois que de la résistance, la vie me demande de me dépouiller d'une vieille version de François pour pouvoir accéder à une version encore plus... Euh, ça, là, encore plus grande, l'expansion, en fait. Hein? Ma, mon expansion dans ma conscience qui me permet de, de jouir davantage du vivant. Ah, oh, ma perception du vivant est tellement changée depuis les, minimum les six derniers mois, la gang. Et, et à cause que je fais ça comme ça, mais j'ai juste envie de dire aux autres personnes, Hey, la gang, savez-vous quoi? Mes plates de bandes, mes fleurs, les abeilles, les vards de terre, les araignées, les coccinelles, mon chien, mon jardin, mon gazon, les arbres, mon bambou, elles hey, sont géniales. Mais vous savez-vous quoi? Vous, là, vous êtes des humains. Es-tu juste moi là, qui, qui tripe en parlant de ça? Là? Non, mais attends, attends, je vais répéter. Moi, j'adore les plantes, là. J'adore les plantes, j'adore les semences, j'adore le jardin, j'adore les fruits, j'adore, j'adore la, la température, j'adore, j'adore tout. Mais attendez là, vous autres, vous êtes des humains. La plus belle merveille, le plus beau miracle là, du monde. Maintenant, il y en a qui cultivent les plantes et disent n'y a pas le pouce vert. Ça se peut pas. Ça se peut pas pas avoir le pouce vert. C'est juste dire je suis ignorant. Je suis ignorant des besoins du vivant, c'est tout. Mais il y en a qui n'ont pas le pouce vert de l'être humain. Tu dis tu ça, hein? pas le pouce vert de l'être humain, mais oui, mais on l'a pas appris. Personne nous l'a appris. Mais on est la plus belle machine au monde. Si on donne les conditions favorables à l'être humain pour se pour, pour prospérer, mais c'est clair que le vivant va suivre son cours. C'est sûr. C'est causalité. C'est pas une question de religion. C'est pas une couleur. Une question de couleur. Question d'argent. C'est pas une question de race, de continent. C'est une question du vivant. Et face au vivant, je m'incline. Littéralement, mais littéralement, OK? Alors, la gang, je sais pas je fais combien de temps que j'étais avec vous. Oh my God, un heure et quart. C'est correct, c'est aussi ça, François. On a du monde avec nous? Au moins 446 personnes. Génial. Alors, je prends quelques temps pour vous parler de peut-être une demi-heure. Ceux qui veut rester, vous restez. Ceux qui ne veulent pas rester, vous restez pas. Et autre chose que je vous dis avant que vous partez. Ceux qui ne veulent pas par entendre parler de Reset, écoutez-moi, hey, hey, hey. non, va-t'en pas, va-t'en pas, va-t'en pas, non. C'est là, OK, génial. Je suis en formation... Va-t'en pas! Je suis en formation Louis VII prochainement. Je vous l'ai dit, la gang. Si vous n'avez pas les moyens de venir plus loin, c'est pas grave, je vais vous donner de la valeur. Avez-vous idée de ce que je viens de donner là, pendant une heure? Une heure et quart. Et hier, j'ai donné... Avant hier, j'ai donné deux heures et demie. Puis samedi, j'ai donné quatre heures. Puis la semaine. Avez-vous idée que tu embarques ou pas dans l'aventure avec moi? Ce n'est pas grave. Je te donne. Je give avec plein d'amour, hein, avec plein de douceur, avec plein de bienveillance qui secoue ta conscience de temps en temps, qui fait que tu vas penser, tu vas réfléchir à plein de choses, au vivant à l'intérieur de toi. Tu vas percevoir les plantes, la vie différemment, même si tu jettes pas, ce pas grave. Et, et, et je vais peut-être en vendre toute la semaine, ça se peut que tu sois dans ma liste de courriels, je vais t'envoyer des courriels. Je vais envoyer des courriels. Puis imagine, observe, si tu fais quoi? tu es fatigué avec tes mots de courriel, observe qu ce qui se passe en dedans de toi. Hein, hier, j'ai mis une vidéo sur YouTube, et il y a quelqu'un qui me dit « C'est trop cher ton reset. Mais oui, mais je ne te parle même pas de reset. Pourquoi tu viens pointer? Est que... Prends, savoure. Savoure la gratuité, savoure l'abondance. La meilleure façon d'être dans l'abondance, c'est de reconnaître l'abondance. La meilleure façon de rester dans le manque, c'est de cultiver le manque. C'est de pointer le manque. C'est de juger le plan. Constamment, 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 constamment. D'accord, la gang? Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens de venir plus loin en formation, faites-vous-en pas, je vais devenir, je vais, de, je vais, donner plein, plein, plein de valeurs encore et encore et encore et encore. Différent, ce n'est pas canalisé, je donne pas la main un pas à la fois, je donne pas des exercices, je fais pas voir nécessairement tout en intérieur de vous, ce n'est pas toutes les informations. Il y a beaucoup de contenu un pas à la fois, hein? c'est comme une chaîne. Là, il y a des maillons un petit peu partout de temps en temps, mais là, la formation, le programme, c'est une chaîne. Hein? C est, c est, on vous enlève de vos chaînes, mais c'est une chaîne de logique qui nous permet de venir intégrer et de transformer. Mais si on n'a pas les moyens, ce pas grave. Temporairement, je vais te donner plein, 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 plein de choses. D'accord? Alors, je prends une gorgée d'eau et je vous partage c'est quoi la formation Reset. Si vous avez des questions pour les prochaines minutes, je reste 30 minutes avec vous. Maximum. Pour les prochaines minutes, si vous avez des questions, vous avez tout simplement marqué un Q. Après ça, la question. Et je voudrais en profiter au passage pour saluer Majesté et Marabout, toujours présents sur mes lives. Très, très apprécié votre présence, votre implication qui, euh, qui nous vend. Ici, on a Majesté qui a envie de nous dire... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a dit Majesté ici aujourd'hui? Euh, euh, peu Majesté, viens ici. Alors, Majesté, elle dit Je suis Père à Majesté Humble reconnu en Afrique pour le respect de la spiritualité du domaine. Je mets à votre disposition le retour et l'affection. On voudrait prendre le temps de vous remercier, Majesté. Et Marabout, ici, qui vendent ces programmes pour grossir votre sexe, on les euh, reconnaît, on les remercie. En fait, c'est des, 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 des virus qui se passent quand il y a des gens des, qui ont des grosses pages publiques comme ça, qui font des lives. Fait que mon équipe sont là, sont toujours en train de les enlever, puis sont fidèles au poste. On, on a beau les supprimer, puis euh, ils sont à quelque part dans le monde pour ne pas dire un peu. Ah, oh, on a aussi euh, Boukakar. Bonjour Boukakar, j'espère que ça va bien, mon cher Boukakar. Donc Boukakar, lui, qui euh, euh, sur YouTube pour voir les démonstrations satisfaites, témoignages de Maître Marabout. Alors, euh, on te salue, Boukakar, j'espère que la vie est juste et bonne avec toi. Donc, merci de me laisser un grand commentaire comme ça. On ne peut pas rien faire, la gagne. Donc, quand vous voyez ça sur mes lives, on fait juste s'incliner, on s'adapte. C'est la vie. On reste focus sur qu ce qui est juste et bon. D'accord? Alors, c'est quoi Reset? Reset, c'est une formation qui est sur une durée de quatre mois. Une formation qui commence le 31 janvier euh, à ce dimanche ici, et par la suite, vous allez avoir un nouveau module, une nouvelle semaine de formation à toutes les semaines pendant 16 semaines. Au bout de ces 16 semaines-là, bien sûr, tout ça, ça se passe en ligne. Au bout de ces 16 semaines-là, le programme, l'aventure Reset va être terminée, l'éducation que je fais à travers Reset va être terminée, mais vous conservez ce programme-là à vie. Donc, vous l'avez à vie sur un portail sur lequel vous allez avoir accès. Vous avez ce programme-là à vie. C'est un programme que vous faites à votre rythme. D'accord? Donc, il n'y a pas d'urgence. Si vous, vous n'êtes pas là le dimanche, vous le faites le jeudi. Vous partez en vacances. Si vous avez deux semaines en retard, vous le faites à votre propre rythme. Sur le programme, on a probablement 50 des gens qui sont en direct avec nous. Donc, c'est-à-dire que la manière que fonctionne le programme, le premier. Donc, imaginez, il y a 16 semaines. Semaine 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas, je pense que Martine. Il m'a dit qu'il m'avait mis une slide dans mon dans mon PowerPoint. Je me trompe-tu si je fais ça ici? Oui, je me trompe finalement, à moins que ce soit ici. Alors, je vais partager ça quand même. Euh, non, pas pour l'instant. Je n'ai pas l'agenda, mais le, le, les semaines en fait. Semaine numéro 1, dimanche prochain, ça commence, ça commence avec un webinaire. Un webinaire de 3 heures. Donc c'est comme si là c'est le départ pour tout le monde ensemble. Donc c'est un live comme ça. La seule différence, c'est que vous allez avoir votre petite caméra, où on est ensemble en famille. C'est si celle que l'on peut voir, on peut les voir. Sinon, c'est pas grave, vous êtes juste là en train de m'écouter. Vous pouvez le voir en direct. Si vous n'êtes pas avec moi en direct, donc euh, parce que là on n'est là pas sur le grand web, hein, on est notre petite communauté. Donc, il y a des questions-réponses, il y a des communs de classe. De temps en temps, je vais activer votre caméra. C'est un, un parcours de coaching, un parcours de déconditionnement pour un parcours de reconditionnement. C'est un parcours pour prendre de la hauteur, mettre le doigt sur où est-ce qu'on est en ce moment de notre existence, apprendre à apaiser l'esprit, développer la tranquillité, ouvrir ce canal-là, aller dans l'axe de libération, purifier ce qui doit être purifié, faire la paix avec notre passé, avec nos différentes perceptions, mettre le doigt sur des croyances limitantes, basculer ces croyances limitantes-là, identifier la direction dans laquelle on a envie de s'en aller, clarifier cette direction-là réactiver cette vitalité-là à l'intérieur de nous, s'y engager en cours de route, apprendre à vivre en pleine conscience, entre autres à travers les axes que je vous partage dans les derniers lives. C'est comme peut-être 10% du programme Reset, même pas, non, beaucoup moins de 10%. C'est la pointe de l'iceberg, en fait. Sauf que je vais utiliser quand même ces quatre axes-là. Donc, c'est une aventure sur 16 semaines. Semaine 1, c'est un live, est un, on appelle ça des masterclass. C'est un live. Semaine 2, c'est une semaine que vous avez des vidéos. Semaine 3, c'est une semaine que vous avez des vidéos. Quand vous avez une semaine de vidéos, donc c'est probablement 2, 3, 4 vidéos qui durent l'équivalent d'environ une heure et demie, plus ou moins une heure et demie. Donc, vous les faites à votre rythme. Vous allez les recevoir le samedi matin, mais vous les faites à votre rythme. Vous allez avoir un accès. Je vais vous montrer dans quelques instants. Vous allez avoir un accès et vous les faites à votre propre rythme. Vous allez com pouvoir commenter. Moi et mon équipe, on est là pour vous soutenir. Donc, pensez à webinaire. Donc, c'est en direct, si vous pouvez être en direct avec moi. Après ça, c'est module la semaine 2, module la semaine 3, module la semaine 4. Après ça, webinaire. Donc un, un webinaire, deux, trois, quatre vidéos. Un webinaire, deux, trois, quatre vidéos. Et continuez comme ça la séquence. On va, vous allez avoir euh, l'horaire quand vous allez rentrer dans l'aventure reset. Pourquoi je l'ai fait de cette façon-là? Parce que, en fait, une de mes grandes forces, c'est de permettre aux gens de rester engagés. Il y a tellement de gens qui embarquent dans des formations de développement personnel sur le web et qui ont un intérêt au début puis qui finissent par abandonner. Et moi, en fait, j'ai développé cette capacité-là de mobiliser. Donc, observez qu'est-ce qui se passe quand vous êtes avec moi en live sur Facebook ou sur YouTube. Observez le feu, la vitalité. Qu'est-ce que ça fait quand vous raccrochez avec moi du live? Comment est-ce que vous pensez encore à toutes ces choses-là? Donc, avec le temps, j'ai développé une méthodologie qui permet de secouer ma gang, d'inspirer ma gang, de mobiliser ma gang. Et il y a une communauté qui est là pour, pour emmener ce mouvement-là, pour soutenir ce mouvement-là. C'est extrêmement riche, je vous le dis. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'aventure reset. Si vous joignez euh, Reset, vous embarquez dans une aventure pour quatre mois. C'est sûr qu'il n'y aura pas une journée que vous n'allez pas penser à moi. Ça, c'est sûr. À tous les jours, vous allez penser à Reset à tous les jours. Par contre, sur, après 16 semaines, vous l'avez accès à vie au travers de tout ça. Donc, c'est à votre rythme. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait d'autres formations avec moi. D'accord? Vous n'êtes pas besoin d'avoir fait la formation Switch ou la formation reconnexion ou d'avoir fait une retraite ou une conférence ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin. La seule chose à valider, il y a deux choses à valider pour pouvoir entrer dans le reset. Premièrement, est-ce que ça vibre en dedans de toi? Parce que la seule raison pourquoi tu viendrais te Former avec moi dans ces enseignements de pleine conscience-là, c'est parce que tu vibres à ce que je partage. Et, et c'est la seule façon que j'ai envie de t'attirer à moi. Hein? C'est comme moi, je suis une fleur à ma façon et j'attire les abeilles qui vibrent à, à ce diapason-là. Donc, si toi, entends parler du mot Dieu ou de lumière ou de divinité ou de spiritualité ou d'énergie, ça te met là, ah, tu viens fou, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Par contre, si toi, ça te parle tout ça, Hein? On va... Par contre, c'est pas juste une affaire ésotérique qu'on va être décroché Moi, la, la, l... moi, la, la... ma perception du voyage, c'est d'incarner la spiritualité dans l'ici maintenant. C'est pas de marcher vers sa spi spiritualité, c'est de l'incarner dans l'ici maintenant. C'est aussi ça n'est pas spirituel ou humain. On veut pas faire de l'aversion sur être humain. Au contraire, on veut être en amour avec être humain. C'est un privilège exceptionnel, mais on veut y ouvrir le canal pour qu'il soit spirituel dans l'ici maintenant. C'est ça. On veut être complet. On veut se sentir complet. D'accord Alors, un. Si tu vibes à tout ce que je partage, si ça te parle, ça c'est à valider. Deux. L'autre chose que je mets en garde, si financièrement c'est pas le temps, c'est pas le temps. Va pas te mettre dans la merde. Puis en même temps, je m'écoute pendant que je te dis ça, mais si toi, tu as envie de te mettre dans la merde... Je suis en train de te dire de ne pas faire ce que moi j'ai déjà fait. Moi j'ai déjà mis dans la merde. Moi je m'ai déjà rempli mes cartes de crédit et tout ça. Moi, je te dis, je donne de toute façon plein de valeur sur le web. Viens pas te mettre dans la merde, ça sera peut-être une autre année. Et peut-être dans quelques mois, tu auras les moyens d'embarquer dans Switch qui, soit dit en passant, est extrêmement puissant aussi. C'est juste deux axes totalement différents. Et euh, Reset, c'est beaucoup plus spirituel que Switch. Ils hein? sont complémentaires, Switch est beaucoup plus méthodologique. Hein, c'est beaucoup plus euh, développer un nouveau schéma dans l'ici maintenant, apaiser l'esprit. Et, et reset, c'est un combo de tout ça, mais beaucoup plus spirituel, libération, manifestation. Donc, si financièrement c'est difficile, mais c'est OK, incline-toi devant le défi du moment. Et si tu vibes à fond avec ce que François partage et tu n'as pas les moyens financièrement, même si tu as beau chercher à demander et tu ne peux pas, c'est fort probablement parce que c'est pour ça, c'est ça ton défi. Notre défi va toujours se cacher derrière quelque chose qu'on veut vraiment beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a de la souffrance. Et la vie nous demande de s'incliner. Fais-moi confiance, c'est ça que la vie a dit. Fais-moi confiance, je vois plus loin. Accueille, apaise-toi. Et cette année, dans le Reset 7, il y a des gens, parce que c'est la septième cohorte, moi, soit dit en passant, 100% des vidéos de Reset sont retournées. Je ne suis plus le même. Je ne suis pas le même que là, six mois. J'ai tellement changé dans la dernière année, c'est probablement une des années que j'ai changé le plus. Donc, ce ne pas les mêmes vidéos que Reset 6. Ceux qui ont fait Reset 6 ou Reset 2, êtes 3, on est tellement ailleurs. Je suis ailleurs. Vous avez évolué aussi. On est totalement ailleurs. Donc, 100% des vidéos sont tournées. Et je vais être clair avec vous, la gang transparent avec vous, la gang. Il n'y a rien de tourné dans le programme que vous allez acheter, absolument rien ou à peu près rien. Hein? Il est en train de nous vendre quelque chose qui n'existe pas. Oui, oui. Si vous achetez Reconnexion, vous achetez, achetez, Switch avec moi un autre programme, ceux-là sont tournés. Ceux-là sont tournés, c'est des modules que vous allez avoir quand vous rentrez, vous allez sortir. Ceux-là sont tournés. Reset, c'est un programme, c'est une aventure. Vous rentrez avec moi, boum, je vous donne la main. Coucou la gang, on commence un webinaire, puis après ça, je le sais où est-ce que je vous emmène. Mais après ça, c'est comme Oh, j'y vais avec le feeling Moi, je veux juste être envie, j'ai juste envie d'être un canal. Un enseignant qui est un canal, puis qui accompagne sa, sa troupe dans le nouveau monde avec le web, avec du monde en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Australie, en Inde, au Canada. On en a partout présentement. C'est hallucinant de voir à quel point ça explose partout dans le monde. C'est hallucinant là, de voir ça. C'est tellement beau en plus. Donc moi, le modèle que je suis, le style que j'ai décidé d'être, c'est d'un style dans le flow. Donc, par contre, c'est extrêmement professionnel tout ce qu'on vous apporte. J'ai toute une équipe qui est là avec moi pour soutenir cette aventure-là. Dans mon équipe, qui s'appelle le Happy Team, on est six à temps plein, six à temps plein qui viennent supporter, qui viennent faire les suivis. Nous, quand vous nous écrivez, là, vous avez du retour, vous n'êtes pas en train d'attendre, ils ne me répondent jamais. Eux autres ». Au contraire, tout le monde est en Il louange de notre équipe à quel point qu on a un super service. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis un entrepreneur en conscience, on change le monde. On aide les gens à comprendre qu'ils sont vraiment à transformer. On est un modèle de prospérité. On crée la prospérité dans notre vie avec nos clients, avec nos participants, avec nos élèves. Il y a pas de le moment où est-ce qu'on fait ça, c'est clair que de l'abondance partout pour tout le monde. Maintenant, il y en a qui vont voir autre chose, ça leur appartient. Si vous vibrez, ben c'est votre place, d'accord Alors, la manière que ça fonctionne. C'est sur 16 semaines, 16 modules de formation. Chaque module, vous avez des pièces d'enseignement, hein, des exercices pratiques. Si je reviens ici, je peux-tu vous partager? Euh, je m'en viens. Euh, 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 ici. Et, et, et si je fais ça, alléluia! Donc, je baisse mon écran. Ici. Je baisse le petit François comme ça. Ça évolue le web. Hein? Vous voyez à quel point... Je développe ma faculté d'adaptation. Comme je vous enseigne, de jouer avec mes caméras, de jouer avec. C'est fou l'adaptation qu'on a besoin de faire, mais, mais je le fais avant que tout le monde le fasse. C'est ça, être vivant, être en pleine santé, c'est être capable de s'adapter. Au lieu de dire, c'est bien trop pour moi, c'est dur. De temps en temps, on se plante, de temps en temps, on est stressé, puis à un moment donné, ça devient une seconde nature. Donc, je veux. Vous accompagner à développer ces schémas-là pour arriver à être un être humain en santé qui arrive à s'adapter. Alors, quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir accès à un portail, à un, à un programme comme ça, qui s'appelle Reset. Et vous allez avoir différentes semaines comme ça semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, avec des choses bonus, avec une bibliothèque de méditation. Vous allez être pris en main. Donc, exemple, vous allez cliquer sur, je clique la semaine 2, par exemple. Donc imaginez, le samedi matin, vous allez, ces vidéos-là vont être débloquées, hein, que moi j'ai tourné dans la semaine d'avant. Il n'y a aucun vidéo qui sont créées. Ça, c'est l'ancien portail. Hein, c'est le Reset 6. Donc, vous allez embarquer ici et en fait, vous allez cliquer, exemple, sur répéter, répéter, répéter. Donc, dans ma, dans ma méthodologie, ma façon d'enseigner, et là, ça prend un petit bout avant que ça arrive, ça a bien l'air, mais c'est OK, on s'adapte. Donc, ici, vous allez avoir le vidéo qui est là. Et à chaque fois que je commence un module, je répète ben qu'est-ce qu'on a bien vu bien, le oui, module passé. Donc, c'est comme vous l'avez vu, vous, vous l'avez... dans le module 2, et oui, le module 2. Je peux 2, là, juste arrêté Vous m'avez vu, vous m'avez entendu, vous l'avez vécu. Poum! On parle au prochain, au prochain module, vous le revivez. Et là, je viens de l'ancrer. Et si vous saviez le nombre de commentaires de gens qui disent « Oh my God, ça fait du bien, et regardez, tous les commentaires sont répondus ici dans notre portail. Entre autres, par Nathalie, qui est mon assistante que vous allez rencontrer, qui est qui, Nathalie Côté, qui s'occupe, entre autres, avec moi, du groupe Reset. D'accord? Alors, si je recule ici, donc ça, c'était le module 2. Quand vous faites ce module-là, vous allez pouvoir marquer, « Hey, c'est complété, François. » Après ça, ici, exemple, euh, méditation. Ça, c'était une méditation, celle-là. Un petit délai. Tom, pom, pom. Ce délai est bien involontaire dans le report. OK? Donc, observe, là, c'est quoi? C'est une méditation, ça, probablement? J'ai cliqué au hasard, là. Donc, vous voyez à quel point que tout est fait professionnellement, là. On, on a une super équipe, on est, bien, on est bien organisé. Et là, je pense qu'il y a une vidéo, c'est juste un audio. Ouais. Non, celui-là, c'est un audio parce que c'est une méditation. Cette prochaine Et en, là, là, si vous revenez confort. ici, vous en pouvez confort. cliquer sur le document de cours, exemple, de la semaine. Et là, toutes les semaines, vous avez un document de cours ici à télécharger, qui est différent et qu'on vient expliquer certaines choses. Regardez à quel point il y a du contenu dans celui-là, dans, dans tous les documents de cours. Okay? Celui-là, c'est un 12. Un, il y avait moins de pages dans celui-là, mais il y a, un, en a quelques-uns qui début, ont on des pages euh, ils ont, ils ont plusieurs plus, voyons, ont plus de pages, pas mal. Donc, je reviens ici, exemple. Je reviens dans la semaine 11. Je prends ça par exemple. Ça, c'était un webinaire. Donc, si vous n'avez pas pu être avec moi sur le webinaire, 24 heures plus tard, il est remis sur votre portail et vous pouvez l'écouter au moment que vous voulez. OK, si on revient, puis je m'en viens, euh, donc on, si je m'en viens la semaine 12. Donc, euh, non, peut-être pas la semaine 12. Là, je ne veux pas trop vous voler des punches, là. Mettons la semaine 10. c'était un webinaire aussi. OK, non, ce n'était pas un webinaire. Donc, euh, les, mettons le prix de la, de la lumière et des valeurs. Un petit délai qui va me permettre d'avoir de l'eau. Donc, vous avez la vidéo qui est là. Vous pouvez le télécharger en audio, en MP3 pour l'écouter quand vous allez aller marcher. Vous allez pouvoir laisser vos commentaires en bas ici et télécharger le document de la semaine. Osez vivre en cohérence avec la vérité. Et là, on vient répéter des choses que j'ai dit dans le, dans, dans le module, vous faire des exercices pratiques et tout ça. C'est des documents super bien faits. On est très, très professionnel. Honnêtement, c'est pas une formation qu'on vous vend, puis faites-le, puis arrangez-vous euh, avec vos troupes. Pas de commentaires, pas de soutien. Pas... Non, 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 c'est pas ça. Nous, on vous donne la main, on mobilise, on fait chanter une communauté. Et vous allez vous rendre compte que... Quelqu'un qui m'écrivait dernièrement en disant, j'ai fait des formations avec toi, je suis allé butiner à d'autres places après, mais honnêtement, il n'y a pas aucune communauté comme la communauté de ou la communauté d'Ubuntu, parce que c'est tellement, tellement pas pareil. Et moi, je suis dans ma vulnérabilité quand j'enseigne, parce que je vous l'ai dit, je suis pas l'expert. Oui, je suis en position d'enseignant. Mais je suis un chercheur, je marche le terrain. Donc, de temps en temps, je vais vous partager oh, des prises de conscience magistrales. De temps en temps, je vais être vulnérable dans qu ce que je suis en train de vivre et je vais permettre à la vie de passer à travers moi pour pouvoir enseigner au travers de tout ça. Alors, reset, c'est quoi? Ici, si je reviens dans mon euh, keynote ici, comme ça. Alors, et je peux-tu mettre ma photo en bas? J'aime bien ça. Ah, ma photo n'est pas là. Ça a bien l'air que si je fais ça ici, ici, je vais-tu mettre ma photo? Ah, on va le mettre comme ça. je fais ça de Ok, j'apprends. Alors, euh, là, je sais parce qu'il n'y a pas plein écran. Fait que je vais enlever ma photo. Alors, c'est un programme de 16 semaines. Il y a des quatre webinaires exclusifs. Il y a des cafés Reset exclusifs. Des cafés Reset exclusifs, c'est quoi? C'est des petits coucous comme je viens juste, comme que je fais avec vous aujourd'hui, qui vont être annoncés quelques jours d'avance en disant Hey, mercredi, je fais un café reset donc, ça se peut, je prends un cas, un, un cas de, de la communauté, que je partage l'écran, le défi que vous êtes en train de vivre, de quelle façon intégrer concrètement ce qu'on a vu peut-être dans les deux premiers modules. De quel... Donc, j'emmène la profondeur de la valeur qui est au-delà de la formation de 16 semaines. Donc, c'est beaucoup plus de valeur. Je vous donne beaucoup plus que tout ce que je vous dis, je vous le jure. Vous allez vous en rendre compte au bout de tout ça. Okay, vous allez un groupe Facebook exclusif et vous avez aussi cette année, au lieu de donner des agendas papier, on a décidé de créer un agenda qui va être aligné avec le document PDF. Donc le document PDF, la manière qu'on fait le document PDF, euh, vous allez avoir deux choix. Soit le télécharger, le faire imprimer, de le compléter avec papier et crayon, ou soit on le fait interactif que vous allez pouvoir écrire dans votre iPad, dans votre ordinateur et sauvegarder. Et, et il va être écrit dans votre PDF directement. Donc cette année, dans le PDF, on va joindre un agenda de sept jours. puis À chaque semaine, vous allez avoir besoin de le télécharger et je vous fais prendre de la hauteur. Je fais poser des questions, faire certaines gratitudes, observer votre capacité d'adaptation. Avez-vous médité, bu de l'eau, être en mouvement C'est quoi la, la, la régénération Donc c'est un journaling que vous allez avoir besoin de tenir en cours de route de votre programme reset. Euh, donc, comme j'ai dit, ça dure euh, sur 16 semaines. Le coût pour joindre l'aventure Reset, c'est 997 dollars canadiens. C'est possible de le faire en un versement, en trois versements ou en six versements. Et ça fait l'équivalent de 650, 656 euh, euros, en fait. Et ça, mes amis euh, à l'étranger, ceux celles qui ne sont pas au Canada, quand vous allez faire votre paiement, la carte de crédit va le basculer euh, en version euro. D'accord. Donc euh, les modules de. Ah, je, je, je vous étiez pas en train de le voir. Donc vous pouvez peut-être prendre une photo d'écran si vous le voulez comme ça ici. Un, deux, trois et quatre. Et je vais prendre les questions bien sûr après. Les modules vont être libérés à tous les samedis matin à 7h. Donc à 7h, chez et au Canada quand vous allez vous lever, pouf, il y a un nouveau module qui va être libéré. À part quand que euh, ça sera un, un webinaire, le webinaire il va être à 9h. Donc, il va être à neuf, Sauf le, le, le premier webinaire est le 31 janvier, c'est un dimanche. Mais après ça, ça va être un samedi, puis les webinaires sont de 9h à midi. Donc, c'est un 3h, je donne beaucoup, 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 beaucoup de valeur au travers de tout ça. D'accord? Euh, sinon, les, les modules sont libérés à 7h et vous les faites à votre rythme. Il n'y a pas une course. Je vais vous éduquer énormément là-dessus. Il n'y a pas de course. On ne vient pas abattre une formation. Hein? Oui, à la fin, on donne un certificat. Vous allez recevoir un certificat dans l'enseignement de pleine conscience. Quand vous allez avoir complété l'aventure, mais ce n'est pas une course, ce n'est pas un, un, une performance, c'est un chemin vers soi. Apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, apprendre à se maîtriser, apprendre à se libérer et manifester notre, notre nature profonde. OK? Bien sûr, ici, c'est vrai, je peux partager ça aussi. Bien sûr. J'ai une garantie de tranquillité et ça, c'est pour tous mes programmes. Donc, une, ma garantie de tranquillité, c'est quoi? C'est pendant 30 jours, même si vous faites le premier webinaire avec moi, le le, premier mod, le deuxième module, le troisième module, le quatrième module, et vous vous rendez au bout de 30 jours, puis vous faites comme, sais tu sais quoi, moi, François, moi, je t'aime pas. Je t'aime pas, je suis pas capable de te sentir, tu me mets en résistance, je suis rendu bien plus loin que ça dans mon évolution personnelle, peu importe ce qui se passe dans ta perception. Si toi, la vie ne parle pas de grandir avec moi, tu m'écris, t'écris à mon équipe, tu n'auras même pas besoin de m'écrire à moi. T'écris à, à mon équipe en disant c'est pas pour moi, ou peu importe qu ce qui se passe, il y a un problème financier ou n'importe quoi, de quoi ce qui se passe et on te rembourse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Par contre, tu vas avoir 30 jours pour pouvoir profiter euh, de tout ce contenu-là et tu vas être capable, tu vas être en mesure de voir si c'est véritablement pour toi ou pas. Donc, moi, mon but, c'est pas de vendre des programmes seulement. Oui, faut, mon but, c'est de vendre des programmes aussi, mais ce n'est pas seulement ça. Mon but, c'est d'aider les gens. Donc, si vous êtes en alignement, génial. Si vous n'êtes pas en alignement, c'est correct. Euh, et c'est pour ça que je valide avant votre inscription. Vous vous inscrivez pas pour ne pas manquer quelque chose, la gang. Vous vous inscrivez parce que vous vibrez. Soyez intelligent. Soyez conscient. Sortez de ce petit main-là qui ne veut pas manquer quoi que ce soit, mais plutôt qui a envie de marcher vers le souffle qui parle à l'intérieur de, 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 de lui, de elle euh, qui passe en eux. OK? Euh, euh, Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai pas répondu? Je, je vous partage ce qui est dans ma tête présentement. Tous mes anciens resets. Alors... Peut-être que vous allez avoir envie l'année la, prochaine, parce que la prochaine cohorte de Reset va ouvrir en 2022. J'ouvre seulement ça une fois par année, c'est à chaque mois de janvier. Donc, si vous faites Reset 2021 et vous aimez, vous progressez, vous grandissez avec moi, mais par la suite de Reset, vous allez pouvoir être en, en opportunité de pouvoir me joindre dans d'autres programmes, comme Ubuntu, qui est un programme plus long, avancé en enseignement plein de conscience. Des retraites avec moi, peut-être des voyages avec moi. Donc, faut avoir fait à la base du reset pour pouvoir aller plus loin. Puis après ça, mais plus qu'on grandit, plus il y a une possibilité d'aller plus loin, ceux et qui le veulent. Si vous avez déjà fait reset et vous avez envie de refaire reset, donc peu importe la cohorte que vous avez faite avec moi dans le passé, vous refaites reset, vous nous écrivez à notre équipe hein, à info à commercial à et vous refaites reset à 50 de rabais. Donc, ne payez pas le plein prix. Si vous voulez payer le plein prix, si vous tenez à payer le plein prix, I'm an excellent receiver. Je vais l'accueillir, je vais m'incliner devant le vivant, mais vous l'avez à 50% de rabais. Vous écrivez mon, mon équipe et vous allez avoir vos accès. Si vous voulez le faire en couple, d'accord Donc, si vous êtes toi et ta femme ou ta femme et ta femme, on a de tout maintenant. On a des gays, des gays femmes, des gays hommes dans le groupe Reset. Hein? On a de tout, en fait. Euh, si vous voulez et des, 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 euh, des euh, comment qu'on appelle ça, des, des gens, un homme, une femme, bref, un couple comme ça, euh, si vous, peu importe, aujourd'hui on accueille tous nous autres, là, vraiment. C'est beau en plus, c'est beau les différences. J'adore les différences. Si vous avez envie de le faire en couple, deux options. Un, vous achetez la première à 997 et la deuxième, qui si vous restez sous la même adresse, va coûter moitié prix, hein, moitié de 997, et vous allez avoir votre propre accès au portail et vous allez avoir votre propre accès sur le groupe Facebook. C'est-à-dire que quand je vais te répondre, je vais te parler à ton nom, à toi, et tu vas, quand on va être sur, en webinaire, tu vas avoir ta propre accès aussi à toi. Okay? Ça, c'est une option. Deux op Deuxième option, faites-les sur le même compte. Faites-les sur le même compte. Si toi, tu n'as tu, tu, pas nécessairement besoin que je t'appelle par ton nom. Ou d'écouter tes capsules, puis d'écrire tes choses, puis d'avoir tes propres choses à toi. Si toi, ce n'est pas nécessaire, ça, mais écoute-les avec ta femme, avec ton homme sur le même compte, tu n'auras pas besoin de payer en double. C'est clair que, bien souvent, je vous dirais probablement que 70 des couples préfèrent avoir chacun leurs chose, parce que, je vous le dis, là, ça va vous faire travailler, la gang. C'est sûr, ça va vous faire travailler. Donc, embarquez pas dans une aventure où est-ce que vous n'avez pas envie de dire, puis d'écrire, puis de... embarquez dans une aventure, où vous avez envie de vous incliner. Vous avez envie d'apprendre à vous connaître. Mais croyez-moi, si vous apprenez à vous connaître en couple, quel privilège hallucinant. Ce privilège de vie-là, grandir en couple. Et ceux et celles, hein, parce que la majorité sont en tête des femmes. Quoique cette fois-ci, on a beaucoup d'inscriptions d'hommes. Je vous salue les boys. C'est vraiment cool de vous voir. Il y a beaucoup de femmes, vous allez voir, j'ai l'expérience, je sais ce qui se passe présentement. Il y a beaucoup de femmes, leur hommes, ça ne les intéresse pas. Les hommes, on a un orgueil, on a un ego plus fort, on n'a pas besoin de tout ça, ces affaires-là. Tu sais, on est moins dans le ressenti, les émotions et tout ça. C'est correct, c'est correct. C'est aussi, aussi le yin et le yang. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez écouter sur un, un iPad, un ordinateur, votre téléphone, un live avec François, des capsules avec François, dans le taux, peu importe, votre amoureux va entendre, puis à un moment donné, il va faire comme... Oh, c'est intéressant, ça, cette affaire-là. Mais par contre, ça se peut très bien qu'il tombe en résistance contre le petit François. Parce que le petit François, ça se peut qu'il prenne de la place dans ta vie. Le petit François, il va être beaucoup dans tes pensées. Ça se peut qu'il soit couché dans ton lit avec ton iPad, puis ton homme soit à côté, puis le petit François soit là. Donc, moi, je vais vous mettre en garde. Il faut, faut comprendre le mari, il faut comprendre la femme à côté. Il faut, faut voir la dynamique qui va être au travers de tout ça. Hein, on va apprendre à danser, ça va faire émerger certaines choses. Donc, si vous vous impliquez dans le voyage, impliquez-vous en étant prête à vivre ce qui va se passer sur tout. Par contre, ça va brasser, mais croyez-moi que vous allez sortir de la reset avec des étoiles dans les yeux. Et croyez-moi que vous allez être une meilleure version de vous-même. Et ça va peut-être avoir fait travailler votre conjoint, vos enfants et tout ça, mais croyez-moi qu'eux aussi vont être une meilleure version d'eux-mêmes. On va s'incliner devant le vivant. Et on est tous interreliés. Si ça ne change pas vos enfants, votre conjoint, votre équipe, c'est parce que ça ne vous a pas changé. C'est simple comme ça. C'est simple comme ça. Donc moi je vous garantis que moi je vais changer parce que vous vous allez changer. On est tous interreliés dans le plan. Donc je vous mets en garde, reset, c ça élève, ça l'emmène de la vitalité, de l'énergie. Le nombre de conjoints qui m'ont écrit en disant de te changer la vie de ma femme, J'ai retrouvé la femme que j'avais avant, n'avait plus d'étoiles dans les yeux. Et là c'est fou. Puis d'un bord puis de l'autre. Mais par contre je vous garantis que c'est presque sûr vous allez pleurer. C'est presque, je suis transparent, hein. c'est comme c'est pas pas un programme qui va t'emmener dans ta tête là. Il va y avoir de tout. D'accord? Mais tu vas avoir du soutien tu t'es pas laissé à toi-même. Ça se peut que ça te fasse peur présentement. Hein? Que je te partage ça en disant euh, Tu dans quoi je me suis embarqué? Non, 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 non. Tu vas triper littéralement. Tu vas avoir du fun. Tu vas apprendre le développement personnel en tripant littéralement. Tu vas dire, Oh my god, c'est tombé le fun à prendre comme ça. Mais oui, mais là, on va faire ça. Il va y avoir des Oh ah, hi! Yeah. C'est ça. Mais c'est vivant. Ça, c'est l'expression du vivant. C'est la température, c'est les ouragans, c'est les tornades, c'est les arcs-en-ciel, c'est un ciel dégagé, c'est un ciel nuageux. Moi, je suis la température. Hein? Donc, je vais, je vais prendre ce qui va se passer je, en étant conscient que ça va causer un impact en vous et, et en m'inclinant devant l'impact que ça va causer en vous en cours de route, tout en comprenant que ça fait partie du processus de libération. Ma force à moi dans ma façon d'enseigner, c'est d'aider les gens à se libérer. C'est ma grande force. Et je les emmène dans un parcours qui est le fun. Hein? Mais ma force, c'est la libération. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que François Lemay fait dans la vie? Il aide les gens à se libérer et à revenir à la reconnexion de qui ils sont vraiment. Voici qu'est-ce que je fais véritablement dans la vie, déguisé derrière des enseignements de pleine conscience. OK. Donc, euh, ma super assistante Nathalie a me partagé quelques questions. Je répète, ceux et celles qui ont des questions, vous écrivez « Q ». Et deux points, suivi de la question, c'est plus facile à, pour moi quand que je suis en direct. Donc, je vais, je, vais je vais répéter, je vais utiliser des questions qui euh, sont en lien avec le programme Reset. De toute façon, je vais revenir pour donner euh, de, la vie, de, la, de la valeur sur euh, des enseignements et tout ça. D'accord? Est-ce qu'on est obligé de se montrer à la caméra? Mais pas du tout. Donc, c'est une très, très bonne question, ce Caro. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer à la caméra, mais pas du tout, en fait. On va embarquer dans Zoom. Zoom, il y a des caméras qui sont là. On ne va pas vous entendre. Hein? On, va, euh, vous allez, on va pouvoir vous voir. Et, et si vous ne voulez pas, vous masquez la caméra. Donc, on va tous vous enseigner ça dans le, la, la première semaine, comment faire ça concrètement et tout. Vous allez masquer la caméra. Et je vous dirais que, exemple, peut-être, mettons qu'on dit euh, sur 10 personnes, mais il y en a probablement euh, 4 qui sont masqués. Donc, vous voyez le ratio à peu près. Vous vous, euh, c'est pas grave, vous ne les voyez pas, vous, ceux qui sont masqués. Vous allez juste voir ceux, ceux et celles qui ne sont pas masqués et vous allez me voir. C'est moi que vous allez voir. Si vous voulez me mettre en gros, vous allez me voir. Si vous ne voulez pas me voir, vous allez pouvoir m'entendre par regarder tout le monde comme ça. Hein? Mais vous allez pouvoir me voir en gros et voir d'autres personnes parce qu'il y a des interrelations. Vous allez voir, c'est tellement puissant. Je fais chanter la vie. C'est ça ma job à moi. Je suis un chef d'orchestre. Donc, donc pas obligé de vous voir en caméra, pas du tout. Moi, je suis obligé, malheureusement. Euh, Est-ce les mêmes modules que l'année passée? Pas du tout. Zéro. Zéro. On prend le portail, on efface tout. On n'efface pas parce que ça reste ceux celles qui ont l'ancien reset. Vous n'êtes pas obligé de racheter reset. Vous avez déjà l'ancien reset. Là, on a une nouvelle version, plus à jour, hein? dans une nouvelle version de François, de la conscience en François. Mais non, euh, ce n'est pas les mêmes capsules que l'année passée du tout. Mais Par contre, par contre, par contre, par contre, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est clair que je vais parler des quatre axes. C'est clair que je vais parler de l'échelle de conscience, de la loi d'attraction. Euh, du changement, euh, d'apaiser l'esprit. Euh, je vais parler probablement de Bruce Lee, euh, Je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui. Euh, cause, ça se peut, je parle de cause et Effet, ça je peux, je parle des axes. C'est clair que je vais parler des choses que vous avez déjà vues, surtout d'un premier niveau. Mais en même temps, c'est extrêmement puissant. Hein? C'est extrêmement puissant. Mais ma job à moi, c'est pas de surcharger votre esprit. Ma job à moi, c'est de vous permettre d'intégrer. Parce que si vous intégrez, intégrer, ça veut dire, ça, je suis capable de me revirer de bord, puis je suis capable de l'enseigner à quelqu'un. Ça, c'est l'intégration. Mon ma job à moi, c'est de faire ça, dans votre esprit. Et je sais comment faire, j'ai une méthodologie pour pouvoir emmener ça dans votre esprit. Après ça, c'est de se revirer, de dire, OK, je suis capable de le partager à mon ami Gisèle, je suis capable de le partager à mon enfant, je suis capable de comprendre ce qui se passe dans cette situation-là parce que j'ai intégré. Ah, à partir de ce moment-là, on est capable d'aller plus loin. Libération. Donc, c'est un processus. Ça, ça ne se fait pas sur YouTube. Ça, ça ne se fait pas sur le web comme ça. Hein? Ça se fait dans un processus évolutif. Euh, tu, conseilles, tu conseilles quoi pour débloquer les patterns switch ou reset? Oh, ça, je ne comprends pas. Tu conseilles quoi pour débloquer les patterns switch ou reset? Je ne comprends pas, malheureusement. Il faut juste que tu me euh, clarifie ta question. Tu comprends quoi pour débloquer, débloquer les patterns switch et reset? Malheureusement, je ne comprends pas. Euh, Pouvez-vous expliquer des exercices pratiques? Beaucoup d'exercices que je vais partager, ce sont des exercices d'observation. De, vous observez dans la vie. Quelles ont été les blessures? Il y a des processus avec des patates que je vais vous faire écrire sur des patates. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, C'est quoi les trahisons, la rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice? Je vais vous faire revalider votre histoire. C'est quoi? Il y a beaucoup à partager. Je ne peux pas vous expliquer ça dans, dans, dans une, une, une expérience, mais... C'est quoi l'addiction, c'est quoi l'aversion, c'est quoi les schémas, l'émotion que je portais à ce moment-là, c'est quoi la, la, le pattern que j'ai eu tendance à vouloir avoir. C'est comme il y a beaucoup de connaissances qu'on a besoin d'acquérir avant de faire l'exercice de processus de libération, entre autres avec des patates qui est extrêmement puissant. Si vous avez déjà vu au bootcamp, c'est pour moi c'est différent. Le bootcamp c'est très puissant parce que on le fait avec 1000 personnes par exemple. Mais Reset, c'est plus puissant parce qu'on a de l'espace, on a du temps pour rentrer en profondeur. Okay? Sauf que cette année, je veux faire le processus de libération web avec plein de personnes. On est ailleurs. Donc, ça, il y a des euh, il y a des beaucoup de méditations, des techniques de, de respiration, des techniques de méditation pour nous permettre de développer un nouveau schéma, euh, un, des, des observer les valeurs que tu peux avoir, arriver à mettre le doigt sur les valeurs en observant les plus beaux moments de ta vie. Il y a des visualisations guidées dans lesquelles je vous emmène. Euh, il y a tellement de choses que je vous partage au travers de reset. En fait, en fait, venez pas chercher le en haut, le manuel PDF ou le Non non, ça c'est même pas si tu as ça, viens pas. Quand okay, je parle à tout le monde, viens Ce C'est pas ça que tu as besoin. Viens parce que tu as envie de prendre soin de ton enfant intérieur. Ça ça serait la bonne raison. Viens parce que tu as envie de t'apaiser. Viens parce que tu as envie de te guérir. Tu as envie de ramener de la vitalité, d'être en harmonie avec la vie. Arrêter de te battre, de chercher à contrôler. Hein, parce que tu as envie de te sentir complet et arrêter de sentir dans une incomplétude. Pour ça, ça, c'est les raisons pour lesquelles on devrait en aller dans, euh, poursuivre dans le reset. Pas nécessairement pour venir chercher une technique, parce que là, c'est ta tête qui veut la technique. Ton cœur, tes cellules ne veulent pas de technique. Vous allez en avoir quand même. Mais quand je vous dis ça, je me parle dans l'ancienne version de moi-même, qui dit « Ah, oh, la technique, la technique, la technique, oh, ben oui, mais si, oui, mais non, viens parce que tu le sens. » Et si tu le viens parce que tu le sens, bien là, tu commences à être branché à plus grand. Et là, tu commences à avoir véritablement, véritablement, véritablement du résultat. Donc, tu sais, il y, y, y a une façon d'accompagner que, que j'ai développée avec le temps. Pourquoi? Parce que j'ai été celui-là. Qui carburait à la reconnaissance, à l'amour la et tout ça, à la performance, puis qui embarquait dans une formation, puis qui voulait venir chercher des choses dans la formation pour pouvoir enseigner éventuellement dans d'autres formations. Et oui, mais il y a plein de monde qui vont faire ça, puis à, à vous, là, qui, qui avez envie d'enseigner, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous pouvez tout prendre de ce que je vais enseigner, tout. Vous pouvez copier, vous pouvez coller, vous pouvez enseigner à d'autres personnes par la suite. J'ai plein de personnes qui font ça et c'est parfait. L'enseignement ne nous appartient pas. Moi, je n'ai pas marque de commerce déposée sur mes affaires parce que pour moi, c'est illogique avoir ce mode de pensée-là. Quand tu cherches à contrôler quelque chose, tu n'as plus accès à autre chose. Hein, c'est ça le canal. C'est ça le, le, le c'est comme une, une arrosoir, une ose. Si tu bouches un, le, la sortie, il n'y en rentre plus. Si tu ouvres la sortie, il en rentre à volonté. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. D'accord Donc, vous pouvez tout prendre, vous pouvez tout copier, vous pouvez partager. Cependant, Venez le faire pour la noblesse du cheminement de reconnexion à vous-même. Pas pour venir chercher un document de cours. Pas pour venir chercher une façon qui enseigne. Aussi, ce sera un gain secondaire. Mais faites-le avec noblesse que vous marchez le terrain. Parce que vous voulez améliorer vos compétences de coach, de conférencier, d'écrivain, de peu importe de formateur quoi. C'est parfait. Mais la meilleure façon pour améliorer nos compétences, c'est de marcher le terrain de notre propre libération. Notre monde a besoin de psy, de coach, d'accompagnement, d'éducatrices en conscience, vigilantes, en paix, avec un sentiment de complétude, qui sont dans une bienveillance, dans une compréhension de l'autre, qui ne sont pas là pour sauver, qui sont là pour se guérir ensemble. C'est ça que notre monde a besoin. n'est pas juste une question d'enseignement, d'outils puis de non, ça, quand on est dans cette vérité-là, c'est parce qu'on est dans un manque. Et c'est pour ça qu'on doit venir apaiser notre esprit pour se rendre compte, ah, attends, je ne suis pas François Lemay, je suis exemple Caroline, ou je suis exemple Nathalie, et je suis la plus belle merveille du monde. Et la lumière coule à travers moi, à travers Nathalie, à travers Caroline. Je suis pas François, mais je suis totalement différente et le monde a besoin de moi. Et je vais utiliser des outils, des phrases, des, 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 des techniques, des choses que François a partagées, entre autres. Et ça, c'est parfait. Mais d'abord et avant tout sur toi. Ça, c'est un vœu que je fais. D'accord, ma belle gang? Euh, ça implique combien d'heures par semaine? Ah, très bonne question. Très, très bonne question. Le premier webinaire va durer trois heures. Donc, si j'ai dis trois heures, c'est trois heures. Il va durer trois heures. Par la suite, le module d'après il va durer peut-être entre 1h30, 1h45, 1h15. Mettez 1h30 dans votre agenda que le module va arriver, va durer autour d'une heure 30 Vraiment, je respecte le temps dans les modules. Cependant, vous allez le prendre, ça dépend. Si vous l'écoutez d'un trait, c'est 1h30. Si vous l'écoutez, vous faites pause, vous reculez parce que c'était vraiment intéressant ce que François a dit. Tu es venu compléter, tu as téléchargé ton document. Tu l'as complété, tu as pris des notes sur toi-même, tu as fait les exercices pratiques. Ah, là, ça va prendre plus de temps. Hein? Si tu fais la méditation, si tu, si tu vois que la méditation est là et que tu ne la fais pas, ah, ben, tu vas sauver du temps. Mais si tu vois, la méditation est là, puis tu appliques ce que je dis à tous les jours, hein, tu le fais le plus souvent possible et je vais vous emmener à bouger à l'extérieur, à être en mouvement. C'est un process. Là. Hein? Si vous avez vu le Reboot Challenge, vous allez voir quelque chose qui va, qui va être teinté dans le reset. Il y a un temps. Donc, moi, dans ma tête, c'est planifier minimum. Deux heures par semaine, le moment où -ce que vous recevez le, le module de formation. Et par la suite, ben, ça va peut-être vous faire peur, mais ma job, ce n'est pas de vendre des programmes. Ma job, c'est d'être vrai. Pensez à une demi-heure par jour. Pensez à une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour qui va inclure peut-être si vous allez bouger, mais qui va inclure votre méditation si vous avez à méditer, qui va inclure votre journaling si vous avez à prendre des notes, à compléter. Mais attendez, une demi-heure à cultiver votre jardin. Je ne sais pas, non, mais moi j'ai un jardin ici, là, là, il est moins beau, là, il a plein de neige. Là. Mais si je passe une demi-heure par jour dans mon jardin, il là là Ça va être beau ce jardin-là. Ça va être abondant, il va être canalisé, il va pousser de la bonne façon, je vais avoir de l'année de l'amour, je vais vibrer là-dessus, je vais changer mes pensées, la, 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 la direction de la lumière passe. Vous allez terminer en juin. Vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas la même plante, le même plan. Vous êtes, la vie en vous, elle, elle s'est transformée, elle va avoir guéri plein de choses, c'est sûr. Qui vous demande une demi-heure par jour? Une demi-heure, pas le temps? Ouais, vous êtes sur Facebook avec moi depuis presque deux heures. Presque deux heures. Et croyez-moi, je ne suis pas plat. Je ne suis pas plate quand, que, quand vous allez embarquer dans le processus avec moi. C'est le fun. C'est vraiment génial. Et, et c'est ça qui est cool dans les enseignements que j'emmène. L'apprentissage devient stimulant. L'apprentissage me challenge de temps en temps. Mais ça fait que. Je vous dis une demi-heure, mais la réalité, c'est que vous allez penser constamment à ça. Donc, je résume deux heures le moment de formation. Et le reste, Mais si vous faites une demi-heure, et s'il y a une journée que tu ne fais pas ta demi-heure ou trois jours que tu ne fais pas ta demi-heure, c'est pas grave, tu ne vas pas exploser. Il n'y a pas rien, la terre ne va pas trembler, c'est pas grave. Tu te relèves, tu recommences la semaine d'après. Je vais vous accompagner de toute façon, je vais vous le dire de toute façon. Ok, ma okay. gang? Euh, Peut-on télécharger euh, une appli sur le GMS? Je ne sais pas ce que ça veut dire, GMS. GMS. Je ne sais pas. Google euh, Sexy euh, Messenger. Je ne sais pas ce que ça veut dire, GMS. Mais effectivement, mes formations sont sur un portail qui s'appelle Kajabi. On va vous accompagner là-dessus aussi. Et vous allez avoir une application. J'ai tout mon téléphone euh, tout près. Non, je n'ai pas mon téléphone tout près. Ah oui, j'ai mon téléphone tout près ici. Donc, vous allez... Euh, je m'en viens ici. J'ouvre ça. Et, 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 et Kajabi. Et là parce que j'utilise plein d'internet ici c'est un petit peu plus lent pour moi présentement mais vous allez avoir des formations qui devraient apparaître ici et vous allez avoir les modules là, il y a beaucoup de personnes qui sont seulement sur le téléphone puis qui font la formation sur le téléphone vous pouvez aussi télécharger en audio vous les avez en vidéo vous avez vos documents de formation aussi aussi donc oui il y a une application qui s'appelle Kajabi et si vous avez GMS c'est mobile je ne savais pas smartphone vous ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire justement GMS ça égale mobile mais ça veut dire quoi GMS donc, euh, donc, en fait, euh, vous allez pouvoir euh, le, le, le faire sur l'application, c'est sûr et certain. Y a-t-il d'autres façons de faire des paiements autres que carte de crédit? Oui, vous pouvez euh, nous écrire à info à commercial On accepte les pigeons voyageurs, on accepte les chèques, euh, on s'adapte. On s'adapte, on, 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 on veut faciliter la tâche, un transfert bancaire. Bien souvent, il y a des gens qui font des transferts bancaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai déjà fait faillite. Je sais c'est quoi. Quand tu fais faillite, tu n'as plus de carte de crédit. Hein? Il n'y a plus de carte de crédit. À moins que tu achètes une carte de crédit, paie approuvée, puis tu mets de l'argent dedans puis tout ça. Il n'y en a pas. Fait il y a des challenges. Fait que des fois, il faut faire des transferts bancaires ou quoi que ce soit. Tout est possible, la gang. Okay? Euh... Ah, ok. Nathalie elle m'a écrit pour euh... Ah oui, ok, tu conseilles quoi pour débloquer les patterns? Excuse-moi, je euh, euh... Je comprenais pas. Parce qu'il n'y avait pas de virgule après pattern. Donc moi, je lisais Tu conseilles quoi pour développer les patterns switch et reset? Je dis pattern switch et reset. La question est Tu conseilles quoi pour développer les patterns Switch ou reset hein? Des fois, c'est un petit peu long à comprendre, moi. Euh, pour débloquer les patterns, euh, reset, sûr. Pour créer les nouveaux patterns, switch. Donc, vous voyez, c'est un bon questionnement. Libération, reset, reprogrammation d'un nouveau schéma. On le fait dans reset, mais. Switch, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc, c'est sûr qu'un combo des œufs, c'est l'idéal, mais switch, c'est juste ça. Donc, il y a des choses qu'on va voir dans, dans Reset qui vont vous aider à créer des nouveaux schémas, des nouveaux patterns, des nouvelles croyances et tout ça, c'est sûr. Mais lequel est le meilleur pour recréer le nouveau schéma? Ben, la meilleure chose pour créer un schéma, c'est de faire seulement le schéma. C'est de faire seulement le schéma. Alors, la réponse, euh, c'est switch. Pour faire seulement le schéma. Mais par contre, Switch ne t'enseigne pas à mettre le doigt sur les schémas qui ne sont pas bons. Donc, c'est Reset qui va faire ça, puis Reset va t'aider à développer, puis par la suite, tu pourras peut-être finir faire Switch. Donc, si tu me poses la question Switch ou Reset en ce moment, Reset en ce moment parce que je suis en lancement le Reset, puis on va en profondeur. Après, plus tard, quand tu seras prête, plus tard, après Reset, peut-être tu feras Switch, tu peux le faire n'importe quand. OK? Désolé de ne pas bien avoir lu ta question tout à l'heure. Oui, on me dit arrête de brûler les punchs, tu vas tu le tes punch avec les patates. Euh, question pour se libérer d'une dépendance affective, est-ce le bon programme? Reset, c'est sûr que oui. Switch, non, c'est pas le programme pour ça. C'est pas le programme pour ça. Switch n'est pas programme de dépendance affective. Dépendant, s'il y a des dépendances affectives, c'est parce qu'il y a une carence en besoin d'amour puis un manque de paix, un sentiment d'incomplétude. Et je, je me sens complet seulement quand le monde me donne de l'attention, de la reconnaissance. C'est juste un dis. On n'est pas brisé, c'est juste un, un manque d'harmonie, de, 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 de cohérence, puis un manque de connaissance, un manque de maîtrise, des choses à libérer à cause qui s'est passé dans notre enfance, mais ce n'est pas la faute de notre enfance, puis on veut manifester. En fait, l'intention, c'est « j'ai envie de me libérer de ma dépendance affective. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Reset va m'aider? » La réponse, est que c'est sûr que oui. Il va t'aider à te rééduquer, à mieux te comprendre, et pour manifester une nouvelle version, mais il va falloir passer par la libération, arriver à maîtriser, aller chercher la bonne connaissance? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Euh, on me dit, GMS est Android. J'en reviens pas que je t'apprends quelque chose côté web. Je ne le savais pas. J'étais encore dans mon ignorance. GMS, ça veut dire Google Mobis, Mobile Service. Je ne savais pas. J'apprends. J'apprends. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions ici où j'ai pas mal répondu à toutes les questions? Vous avez jusqu'à... Si vous avez des questions, vous écrivez Q, 2 points et la question. Vous avez jusqu'à... Euh, dimanche soir, euh, minuit, heure du Québec pour rejoindre l'aventure. Nous, on va avoir commencé l'aventure dimanche matin. Hein, je parle d'heure du Québec, heure de Paris, ma belle gang en, à, à Paris. On, vous, allez avoir, vous faites l'équivalent de votre côté. Donc, même, vous allez avoir jusqu'à dimanche soir. Et quand vous allez rentrer, vous allez pouvoir revoir le, 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 le premier webinaire, le premier masterclass en rediffusion. Vous allez rentrer dans votre portail. On le jusqu'à dimanche. J'ai décidé d'être intense pendant une semaine de vente. Donc ceux/celles que ça, ça les dérange quand je fais de la vente, pas les poler. Soyez patients. Dans une semaine, on n'en reparle plus. Vous n'allez même pas entendre parler de Reset jusqu'à l'année prochaine. Donc, euh, vous allez me revoir sur le web juste à donner du contenu. Dans la vie, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Donc, j'ai beau avoir le plus beau des programmes, le meilleur accompagnement. Si je joue à l'agent secret, personne ne va le savoir. Je ne pourrai jamais aider de personne. Ça, ça a pris un temps avant que je le comprenne. Maintenant, c'est de dire OK, pendant 7 jours, tu vas être intense. Ça va peut-être déranger des gens. Ça fait partie de la game. Mon but, c'est d'aider des gens. Et après 7 jours, c'est clair que je vais vous ficher la paix avec ces programmes-là et je vais vous partager de la valeur encore et encore et encore et encore parce que c'est là qu'elle est aussi ma mission. D'accord Est-ce que j'ai des questions qui ne sont pas répondues J'en ai une ici. Salut Sandra. Euh, j'ai jamais médité, j'avoue que ça m'a fait un peu peur. Hey, Est-ce normal C'est très normal ça. Très, très bonne question. Pas juste méditer. Je t'écoute parler, François, ça me parle à fond, mais j'ai peur d'être brassé. J'ai peur que ça change mon couple. J'ai peur que, mais ben oui, mais ça, c'est juste des peurs. C'est des suppositions. Hein, Ces dispositions de l'esprit, c'est comme on embarque dans un inconnu. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Je vous le jure, ça va améliorer votre vie, ça va simplifier votre vie, ça va alléger votre vie, ça va vous permettre de jouir davantage de la vie. Mais temporairement, vous allez être dans une zone d'inconfort parce que on va vous demander d'apprendre, de sortir de la zone de confort, puis d'apprendre peut-être la méditation, d'apprendre certaines choses. Mais pensez-y. Quand on est en mode apprentissage, on est rempli de vitalité. Quand qu on n'est pas en mode apprentissage, on commence à être blasé. On commence à. L'esprit, pour qu'il puisse grandir, on doit le nourrir. C'est simple comme ça. Donc, euh, ne, ne t'en fais pas si. Euh, Sandra, ne t'en fais pas s'il y, y, y a une peur, il y a un stress. C'est génial. Je te donne la main avec douceur, tout simplement. Je t'invite à aller sur ma page YouTube. Hein? Sur ma page YouTube, j'ai une méditation qui s'appelle euh, Regarde en toi. Je suis capable de faire ça rapidement comme ça. Euh, J'ai une, une méditation qui s'appelle Regarde en toi. Et, et, et va voir, va voir si c'est difficile. Je ne suis pas capable de le faire. Va voir si c'est difficile de méditer avec François. Va voir comment que tu vibres quand tu es avec François au travers de tout ça. Tu vois, c'est relativement facile. Donc, j'essaie de me... De venir sur ma page ici. Ma belle gang, si vous ne l'avez pas fait je vous le suggère profondément. Ah oui, ça marche là. Si je fais ça comme ça, okay, sur ma page YouTube, cette méditation-là, il y en a une qui a 118 000 vues, puis l'autre est plus nouvelle à 16 000 vues. Malheureusement, elle que 16 000 vues, YouTube ont mis de la pub. Des fois, ça peut choquer quand on est en méditation avec de la pub, mais elle regarde dans toi. Et, et là, quand vous allez venir dans Reset, en plus, vous allez avoir accès à une bibliothèque de méditation aussi. Hein? Vous allez avoir accès aussi. Ma femme va venir donner quelques cours de yoga que ça va être. C'est tout du bonus, ça. C'est même, même pas mis dans mon offre de vente. Donc, ma femme elle est enseignante de yoga. Elle va venir partager quatre cours de yoga, un par mois en fait, que vous allez avoir. Moi, je vous le dis, on vous en, on vous en donne beaucoup plus que l'on vous promet, que l'on vous vend. En fait, donc vous allez avoir de la valeur, vous allez être chouchouné. On rentre dans un écosystème, dans un, un environnement abondant. Moi, je suis dans l'abondance dans ma vie, dans l'abondance d'amour, d'affection, de, 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 de cadeaux, d'opportunités, d'inspiration, d'argent, de tout. Mais je cultive avec mon équipe, avec mes clients, avec mon écosystème, une énergie, un environnement d'abondance. Donc, vous allez embarquer dans un environnement d'abondance où est ce que vous allez être aussi gâté au travers de tout ça. Euh... Question, blessure de l'enfance et schéma répétitif. Je ne sais pas, c'est quoi la question? Ben, je ne sais pas, il manque peut-être un bout qui n'était pas là. Donc, euh, si c'est par rapport à est-ce qu'on voit les blessures de l'enfance et schéma répétitif, seulement dans le reset. Dans Switch, on ne parle pas de ça. Switch, c'est un conditionnement, un pattern. Un, un, on, on reconditionne l'esprit à venir ici dans l'instant présent. Constamment. On ne vient pas vider les mémoires dans Switch on conditionne l'esprit à revenir ici au moment présent avec un schéma, on comprend le grand pourquoi, puis on le conditionne, c'est extrêmement puissant. Oui, 7 on prend de la hauteur, Fouh. on tourne le regard, Fouh. on s'en va dans des mémoires, on s'en va dans le subtil, dans le spirituel, dans a... c'est beaucoup plus en profondeur, c'est différent, sont co-créés, sont complémentaires, c'est pas un contre l'autre par contre, sont complémentaires, ça dépend le besoin. Donc pour les blessures de l'enfance, schéma répétitif, amour de soi, euh, c'est reset, c'est sûr. Euh, le, le décalage horaire est-il un souci? Ça dépend de toi, de ta disponibilité. Le, 50% des gens qui sont dans l'aventure de reset maintenant sont du côté de l'Europe. Donc, euh, c'est génial. C'est la première année que ça va être comme ça. Euh, et j'en suis très, 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 très content parce qu'un jour, c'était mon rêve d'avoir quelqu'un du côté européen qui s'intéresse à mes enseignements, qu'est-ce que je partage, puis aujourd'hui, ça l'explose de ce côté-là. Parce que je veux le vulgarise, j'emmène ça d'une autre façon, beaucoup moins dans la tête, beaucoup plus dans le ressenti. Alors, euh, non, ça ne cause pas de, de problème. C'est libéré à 7 h le matin ici, mettons, exemple le samedi. Toi, 7 heures, euh, je la misère là, 7 heures va faire, exemple, euh, 13 h dans l'après-midi. Donc, tu vas avoir, il va être accessible à 13h de l'après-midi. Tu peux le faire en, là quand il arrive, sinon, tu le fais en rediffusion. Dans toutes mes formations, j'ai plein d'Européens et ça ne cause aucun souci. Il faut juste que tu le rentres en, à, à l'horaire, à ta façon, à toi, quand tu as envie d'être en direct avec moi dans les lives. Donc, de 9h à midi, quand que je fais mon live, <coughs> mon masterclass. 9h à midi, je ne me trompe pas, ça fait euh, euh, 15h à 18h de ton côté. Donc, moi, à chaque fois que je fais mes communications, je mets toujours l'heure française et l'heure euh, du Québec. <coughs> Excusez-moi. Euh, question ici, Kat. Question, le faire en couple, si le couple n'est pas au même niveau, ça fonctionne ou pas? Mais oui, mais oui, mais oui. Jamais on va être à la même place. Moi et ma femme, on n'est pas à la même place. Il y a des choses qu'elle intègre beaucoup plus facilement que moi et des choses que j'intègre beaucoup plus facilement qu'elle. C'est pas important d'être à la même place. C'est pas important d'avoir exactement les mêmes valeurs. Ce qui est important, c'est de se respecter dans notre rythme, dans nos différences, de se reconnaître qui nous sommes véritablement, de voir son âme dans son processus d'évolution et comprendre que quand on est en coupe, on se fait chier en coupe, on se libère en coupe, on se transforme en coupe, on s'éveille en coupe, on s'élève en coupe c'est la beauté du couple. C'est important. Le couple, c'est pas conçu pour être l'amour passionnel, c'est pas ça la vie. C'est pas le soleil tout le temps. Le couple, c'est pour mourir ensemble, se réinventer ensemble, se faire chier ensemble, se faire réagir ensemble, avoir envie de se quitter, avoir envie d'Ah de... mais plus qu'on va cultiver la pleine conscience, moins qu'il va y avoir des schémas qui font qu'on se coupe de tout, qu'on fuit, qu'on ne veut plus rien savoir, mais qu'on va, on va apprendre à se transformer. Vous allez l'entendre parler. Euh, c'est euh, notre cheminement, à moi et Nathalie. Aujourd'hui, on danse super bien en pleine conscience, les deux ensemble. D'accord? Euh, mais ça commence avec soi. Donc, c'est possible de le faire ensemble. On n'a pas besoin du tout d'être à la même place, mais pas du tout. Euh, j'ai tellement hâte de faire un Reset. Moi aussi, j'ai hâte de le faire, ma belle gang, hein, parce que moi, je le fais aussi. Je le vis aussi. Ce que je vais vous enseigner, je le réapplique encore et encore. Est-ce qu'on peut avoir la promotion qui s'est terminée dimanche Malheureusement, non. Je suis comme ça par respect à tout le monde. Je fais toujours ceux et celles qui ont décidé de se joindre. J'appelle ça l'acte de foi. La vie, la vie, elle est comme ça. La gagne. La vie, elle récompense les audacieux tout le temps, 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 tout le temps. Si tu fais comme, ah, je sais pas, je sème tu des tomates, j'espère pas, et puis là, on est au mois de mai. Ah, je sais pas si j'aimerais semer mon plat. Tomates, je pas. Il est arrivé au début genre, juin. Je ah, sais pas si je devrais le semer mon plan de tomates. J'ai peur de ne pas avoir de tomates. Et tu sèmes au mois de juillet. Ah, J'y vais. Mais là, tu peux pas demander au Bon Dieu. Tu peux-tu me donner les tomates que j'aurais pu avoir au mois de mai Mais non. Mais non. Le Bon Dieu récupère les, les la, la, la vie euh, 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 récompense les, aud les audacieux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors la différence entre j'embarque dans le reset et j'embarque pas dans le reset, c'est quoi la différence? C'est l'audace. C'est l'audace. L'audace de suivre le flot de la vie en soi. Et si tu suis le flot de la vie, c'est clair que tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir plein de tomates. Si tu ne suis pas le flot, hein, j'y n'y vais pas, je vais pas. Peut-être, hein, non, non, Mais si ça ne parle pas à toi, tu ne viens pas, c'est sûr. Mais si ça te parle tu ne viens pas, ben, il y a manqué de courage, il y a manqué de volonté, il y a manqué de foi, il y a manqué d'audace. Hein? Je me suis fait des suppositions, j'aurais pas le temps, J'aurai pas le si, j'aurais pas le temps. Hey, on n'a jamais le temps. Hein? C'est toujours le temps de prendre soin de soi. C'est toujours le temps d'éduquer notre, notre esprit, en fait. Donc, euh, malheureusement, non, par respect à tout le monde qui ont fait un acte de foi, euh, la promo au départ, qu'on donnait quelque chose en supplémentaire, c'était la promo au départ. Mais, mais l'investissement dans le reset, déjà là, à elle seule, c'est un investissement spectaculaire. C'est. Ça en a beaucoup plus pour ton argent, mais vraiment beaucoup plus pour ton argent. Imaginez, là, là ça fait combien de temps encore une fois François a dépassé? Deux h et onze. Deux heures et onze que vous passez avec moi. On était... J'en ai fait un autre de deux heures ou trois heures avant hier. J'en ai fait quatre heures. Et regardez qu ce qui se passe en vous. C'est juste ça. C'est juste ça. Regardez ce qui se passe en vous. Je ne suis pas en train... Et vous ne m'avez pas une fois entendu dire... T'es tanné, toi, d'avoir une vie de merde? Hein? T'aimerais ça? Être comme Caroline qui a trouvé le sourire depuis qu'elle a fait Reset et elle a dit Oh, avant, j'avais une vie de merde. Je suis pas en train de jouer avec votre esprit pas comme ça du tout, du tout. Je suis en train tout simplement de livrer, d'être, tout simplement, de faire la fleur qui est pleinement sa véritable nature et les bonnes abeilles qui vivent à ce diapason du besoin du moment vont se présenter. Ça, c'est un principe du vivant. Ça, c'est un principe qui amène prospérité dans toutes les sphères de vie. C'est ça que j'enseigne. C'est ça la pleine conscience, en fait. <laughs> euh, Nathalie, elle, <laughs> Nathalie, elle me partage. Euh, mon assistante, elle me partage dans les témoignages un commentaire que j'ai reçu en arabe, puis elle pense que je vais être capable de le lire, mais je ne pense pas. Euh, je descends ici. Euh, Salut, Yannick. Je travaille le dimanche. Est-ce grave je réécoute après le boulot? Non. Le premier va être dimanche. Hein, donc le premier masterclass va être dimanche qui s'en vient. On ouvre, on part ensemble. Je vous explique comment ça va fonctionner. Il va y avoir des enseignements. On va faire un bilan. Dimanche c'est un bilan. On part de où On va faire, faire un bilan à votre façon. Je vais vous accompagner au travers de tout ça parce qu'on va refaire aussi un bilan à la fin de reset. Mais là on va faire un bilan dans différentes sphères de notre vie, comment on se sent en ce moment là. Donc on fait un, un body scan, un, un spirit scan hein, de où est-ce qu'on est en ce moment. Et, 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 et si toi, tu n'es pas là en direct, c'est n'est pas grave. Probablement qu'on va avoir 50 du monde en direct. Toi, tu le fais le soir quand tu reviens ou tu le fais mardi soir, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'avant de faire le module 2, tu aies fait le module 1 parce que ça, ça se suit tout ça. Donc, ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, et après ça, mais ça va être à tous les samedis. Donc, toutes les masterclass, qui, quand il y aura des masterclass, ça va être les samedis. Et de temps en temps, je vais faire des petits coucou sur Facebook. Qu'on appelle des cafés coaching Reset, qui va durer 25 minutes de temps en temps, 35 minutes de temps en temps, ce ne sera pas des 3 heures comme je fais là, là. Donc, ça va être des petits coucous, mais je vais en faire régulièrement. Et sur la page Facebook, soit dit en passant, c'est un bonus à euh, l'aventure reset. Moi, je ne vois pas, j'écoute pas tous les vidéos, j'écoute pas tout, je lis pas tous les commentaires, c'est pas ça ma job. Ma job, c'est vous vous accompagner dans la formation et tout. Par contre, je suis là, j'ai une présence, mais j'ai une équipe qui est là pour vous supporter. Donc, c'est un avantage. Peu importe la formation, le groupe Facebook c'est un bonus, c'est un avantage, mais ce n'est pas une place qu'on veut toutes lire au, 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 au travers de tout ça. Et by the way, on a appris à faire chanter les groupes Facebook comme, comme il faut, à, à, à être des bons chefs d'orchestre. Donc il n'y a pas de publicité nous autres sur les groupes Facebook, il n'y a pas de vidéo de 17 minutes, y a pas de. C'est vraiment, vraiment, vraiment canalisé, mais c'est extrêmement puissant, c'est grosse valeur ajoutée parce qu'on voit le vivant dans les humains. C'est très beau et j'enseigne beaucoup avec ce qui se passe entre autres sur les réseaux sociaux. Donc, vous, vous, vous n'allez pas rien manquer. Et si, si vous n'êtes vous pas sur Facebook, c'est pas grave, vous ne manquez rien. Tous les, les cafés coaching que je viens faire sur Facebook vont être sur votre portail, remis toujours 24 heures plus tard. Mon équipe est très, très, très réactive. La, by the way, j'ai la meilleure équipe du monde hein, hein, qui s'appelle le Happy Team. Nathalie, 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 jusqu'à là, c'est facile, facile pour moi. Je dis demande à Nathalie. Après ça, Geneviève, puis après ça, Martine, sont là pour m'aider, pour co-créer. C'est des extensions, sont en mission, pareil comme moi. C'est vraiment beau. C'est un grand rêve, ce que l'on fait, mais on est en mission, c'est vraiment beau. Et on grandit, on s'ajuste, on a de la résistance de temps en temps, puis on est en expansion, c'est beau. On a vraiment une entreprise en conscience, un modèle de prospérité, mais qui permet de, de co-créer puis de, de faire grandir tout ça. C'est pour ça que ça fonctionne, notre affaire. C'est pour ça que les recommandations sont là. Euh... Euh, je sais, une autre question. J'essaie de descendre. Est-ce que j'ai d'autres questions? Y a-tu des questions? Avoir accès gratuitement à l'autre formation. Euh, ton lien fonctionne sans pub pour ta dernière méditation? Euh, ton lien fonctionne sans pub. Ah ouais, je savais pas. Ah, il y a des gens qui ont de la pub, il y a des gens qui n'ont pas de pub. C'est pour ça qu'on a eu comme 15 000. Euh, personnes qui ont inscrit, qui ont écouté ma dernière méditation. Puis on a peut-être reçu, reçu peut-être dix personnes qui sont pleines en disant qu'il y avait de la pub, mais c'est pas de ma faute. C'est YouTube qui met de la pub parce que j'utilise une musique. Je peux rien faire, mais il y en a qui ne qui reçoivent pas la pub. Tant mieux. Euh, merci, ma belle gang, d'être là. Merci. Vos beaux commentaires. Je dis toujours les commentaires après. Hein, quand je me retrouve avec mon téléphone dans le divan, je prends le temps de regarder vos commentaires. Combien de temps dure la formation Reset, Virginie? Quatre mois. On commence le 31... Janvier, donc février, mars, avril, mai, elle finit à la fin mai. Puis donc en, en fin mai, c'est terminé et euh, vous êtes totalement ailleurs rendu là. Vous allez avoir tous les modules. Si vous n'avez pas totalement terminé, vous avez accès à vie au travers de tout ça. Et n'oubliez pas, vous avez un soutien de moi et mon équipe sous les capsules vidéo quand vous écrivez, on est, vous êtes répondu sous la capsule vidéo. Euh, merci pour la générosité, merci, 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 merci. Ah, Joy, tu me dis tu vis dans le Pacifique, mon chanceux. Donc oui, en fait euh, mon chanceux ou ma chanceuse, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, Joy, mais c'est un beau nom. Imagine quand tu t'appelles Joy. Tu pourrais être un gars ou une fille, hein. Je ne sais pas c'est quoi. Fais juste me le dire par curiosité. Mais imagine quand tu t'appelles Joy ou amour ou, 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 ou joie ou, ou, ou félicité ou grâce. Ouh, c'est génial ça. Je trouve ça très très beau. Euh, Est-ce que c'est possible de souscrire à Reset dans six mois parce que je n'ai pas les fonds en ce moment, Vincenzo? Euh, malheureusement, non, mais ça va venir en euh, 2022. Donc en 2022, la, on va ouvrir une nouvelle cohorte. Il se sera, mais entre toi puis moi, juste toi puis moi, Vincenzo. En 2022, là, je vais être encore meilleur. Et je vais être encore meilleur, c'est sûr. C'est sûr. Je serais peut-être plus là, par contre. Peut-être être mort. On ne sait pas. Tout est possible. Hein? Je ne suis pas en train de le créer. Je suis en train de juste d'être réaliste. Mais si je suis encore là, la façon que je vis ma vie, que je cultive la vie, c'est clair que je suis une, une version plus mature, plus sage, plus alignée, plus euh, épurée. Donc, je vais être une meilleure version. Et d'ici là, non, tu ne pourras pas rentrer dans le reset. Par contre, tu, peux, tu pourras faire connexion avec moi ou Switch qui va te préparer aussi à reset. Donc, à ce moment-là, ce serait parfait. Euh, je descends, je descends, je descends. Question, j'en ai-tu ici? Les portes ferment dimanche, donc lundi. Il y a des gens, là. Il y a des gens qui sont comme ça, là. Il y a des gens qui sont là puis qui le savent, puis qui le savent. Mais ils ont des schémas. Ils sont esclaves de leurs schémas puis ils s'en rendent pas compte. Puis ils le savent. Puis attendent à la dernière minute. Puis ils font pas. Puis ils vont écrire mordi en disant « Mais moi, je voudrais me joindre à... » Et, et, et c'est clair qu'ils vont faire ça parce que leur schéma les emmène à procrastiner peut-être à la dernière minute, c'est on, on est esclave de nos schémas, de nos conditionnements automatiques. À un moment donné, il faut secouer et dire, c'est quoi, acte de foi. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sors de mon petit humain et je m'élève, puis je commence à prendre des, mes décisions à partir de ce que j'appelle P2, hein? deuxième position, au lieu d'être... Pris dans cette position-là, qu'on attend, on remet à plus tard, je remets ma pleine réalisation à plus tard, je remets ma libération à plus tard. Faut que j'y pense, faut que j'y pense. Lui-ci, le, le corps et le souffle là, ont pas besoin de temps, il n'existe pas en fait. fait lui-ci a besoin du temps, besoin du temps pour m'y jeter. C'est correct, moi je ne vous lâche pas pressé, je vous vois même pas. C'est la beauté du, lit, du web, vous êtes, je vous vois même pas, fait que vous avez tout le temps qu'il qu vous faut. Mais lui-ci le sait. Puis, et ultimement, dans, une, dans une, un, 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 un cheminement de pleine réalisation, on veut arriver à je le sais, j'y vais. Hein? Peu importe où. Je le sais que c'est pas ça, j'y vais pas. Je le sais que c'est ça, j'y vais. Mais là, on a appris à cultiver avec notre tête il ah, faut que je fasse les pour et les contre, il faut que je pense, faut que je réfléchisse un peu. Le, le chi, l'énergie, elle s'éteint. Après ça, on se demande je ne sais pas ce qui se passe avec ma vie. Moi, je comme pas le feu, j'ai pas ce feu. Mais oui, mais tu l'écoutes pas. Et c'est ça que je fais dans le reset. Je vous, a, je vous invite à écouter la vie. Écouter la vie. Après Reset, peut-on faire Switch en 2021? Effectivement, Virginie, il y a plusieurs personnes qui vont faire ça. Donc, je ne vous suggère pas, si vous n'êtes pas déjà dans Switch, de faire reset et switch en même temps. Je vous suggère de faire reset seulement. Et par la suite, si tu as aimé les enseignements que je partage, mais tu vas pouvoir faire Switch par la suite. Vous allez pouvoir aussi faire Ubuntu. Ubuntu, c'est comme le reset deuxième étape. Donc, c'est une un aventure sur un tout petit peu plus long. C'est plus long que, que, que quatre mois. Et, euh, et euh, ça a être possible seulement si vous avez fait Reset par la suite. Et, et, euh, mais ça, il faut avoir fait Reset pour pouvoir euh, avoir accès à venir dans Ubuntu. Donc, euh, oui, vous allez pouvoir faire Switch par la suite. Euh, je reviens ici, j'étais un petit peu. Je euh, change, j'avais dû une demi-heure. C'est bien moi, ça. Euh, Sandra, oh my God, tu m'interpelles tellement, tu nommes toutes mes blessures, mes inquiétudes, mes ressentis. Wow, j'embarque, je vous contacte. Alléluia. Sandra, pas juste Sandra. J'imagine. Comprenez comment ça devrait fonctionner. Okay? Le vivant, pas moi. Pas moi. Si c'est pas moi, ça sera avec une autre personne. Ça sera avec peut-être, je sais pas, je vais nommer des noms comme ça. Anthony Robbins, David Laroche, Joe Dispenza. Euh, Neil Donald Walsh, David LeFrançois, okay? peu importe qui, comment ça devrait se passer? Vous devriez, la lumière de la personne devrait vous mettre en lumière. C'est ça qui devrait se passer pour que vous suiviez le chemin. C'est juste ça qui devrait se passer dans la vie. C'est la même affaire avec les amours. La lumière de la personne devrait allumer ta lumière. Si la lumière allume la lumière, il faut que tu passes par là. OK? Donc, j'imagine Sandra, ses beaux yeux grands, ses grandes dents blanches. Oh, François, il me parle tellement, c'est à moi qui parle. Tout. Mais c'est parce qu'elle ressent. Je suis le miroir de, de Sandra, tout simplement, en ce moment de son existence. Il y en a, mais il faut juste être vigilant pour pas que ça soit sa tête qui parle à ta tête. Parce que là, à ce moment-là, c'est l'intelligence qui va essayer de convaincre. Et c'est correct, ça fait partie d'un cheminement. Mais nous, on va commencer à suivre quelque chose de plus grand, quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est simple, moi. Que ça soit un employé, hein, que ce soit un partenaire d'affaires, que ce soit un client, que ce soit un n'importe quoi. Là. Moi, là, tout ce que je fais, c'est que je lis la lumière. Je lis la lumière dans mes plantes. Je lis la lumière dans mes projets marketing. Je lis la lumière dans c'est tout ça. Ça brille-tu? Est-ce que ça brille? Est-ce que ça brille en moi? Est-ce que ça brille là? Ah, oh, ok, génial. Si ça brille, je m'incline devant le vivant, c'est par là que j'avance, tout simplement. Si ça me stimule mentalement, juste comme ça, ah, ça c'est dangereux. Ça c'est une ancienne version de François qui faisait ce genre de schéma-là, et finalement il n'y avait pas de résultat au bout de la ligne parce qu'il venait juste stimuler mon ego, mon mental, ma, ma, ma perception qu'il me manque quelque chose pour y parvenir. Au lieu de la complétude et il y a peut-être un guide, il y a peut-être une ressource qui peut m'aider à mieux me comprendre au bout de tout ça. C'est sur vous, que vous devez miser la gagne. C'est sur vous. C'est pas sur moi que vous devez miser, c'est sur vous. Y euh, Et tu d'autres questions Salut Marabou, j'espère que tu vas bien. Hey, Marabou, il est là jusqu'à la fin. On l'aime dessus ce Marabou là. Euh ah, trop yeah. de commencer. C'est j'ai my god OK, j'en ai eu beaucoup de questions Nat, est-ce que j'ai répondu à toutes le décalage horaire oui, tu m'en as mis pas mal quel genre de bas. My god, je viens de m'inscrire. Oh, yeah! Alléluia C'est bon de savoir ça. J'ai hâte de vous voir la gang. J'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure là, vraiment vraiment vraiment. Cora, tu m'interpelles au max mais mon portefeuille n'est pas encore d'accord. C'est OK, c'est pas grave, tu sais tu quoi Là maintenant, ça te parle, suis ça. Suis les vidéos sur YouTube. Télécharge mon livre, tout est toujours parfait, gratuitement. Les vidéos que j'ai faites aujourd'hui, hier, mon live, cultive. Cultive ta vie avec ça. Cultive ta vie avec ça. C'est du gratuit, ça. C'est pas grave. C'est une formation, c'est de l'illusion, tout ça. C'est juste de l'illusion. Ça te fait du bien, ça te ramène à la reconnexion. Cultive, répète et répète et répète jusqu'à temps que ton portefeuille soit d'accord. Plus que tu vas répéter, plus que tu vas changer de fréquence, plus ton portefeuille va se remplir. C'est co-création. C'est pas c'est co-création, c'est attraction, c'est résonance. Et, mais si plus que tu aimes et plus que tu regardes ton portefeuille qui est vide, plus que ton portefeuille va se vider et plus que tu vas sentir le manque, tu vas dire moi je peux pas me permettre, moi je peux pas. Et ça ces schémas là, on doit les arrêter. C'est juste une question de focus. C'est quoi je focus? J'adore François, il me fait vibrer. Génial, j'ai trouvé quelque chose. Je cultive avec ses vidéos, ses programmes gratuits, ses méditations. Ah, j'élève en fréquence, j'élève en fréquence. Laisse les miracles opérer, laisse la nature opérer. Et par cause à effet, plus tu vas nourrir ton esprit, plus ton portefeuille va se remplir. Et peut-être dans un an, ça sera le temps de faire un reset pour toi. Mais comprends une chose. Tout le monde qui est dans le, le style de Cora en ce moment, il manque rien. Tu es déjà complète. Tu es déjà complète. Tu es déjà complète. Tu es la plus belle merveille du monde dans une phase de ton évolution à toi. Dans une phase de ta purification à toi. Certains sont dans une phase de fleurs. Certains sont en train de faner. Certains sont en renaissance. Incline-toi devant l'expérience du vivant en toi en ce moment. Plus tu vas t'incliner, plus tu vas basculer dans la prochaine phase. C'est juste ça. C'est juste apprendre à danser avec la vie. Donc, Cora, je te vois, peu importe ce que tu fais comme expérience. Euh, et quand que je vois ça, la gang, je vois une ancienne version de moi-même. C'est ça que je vois. Hé, hey, aïe, aïe, que je ne l'ai pas, pas, pas eu facile. Pfff. Mais aujourd'hui, je suis ailleurs. Je suis ailleurs. OK, ma belle gang, je vais vous laisser là-dessus. Il est l'heure d'aller euh, 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 souper en bon québécois et dîner en mes amis européens. Merci énormément. Un autre quoi Un autre deux heures et demie. De valeur que je vais partager. Je vais revenir dans les prochains jours faire des lives jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi, dimanche. Je vais faire des lives. Si vous êtes dans ma liste de courriels, ça se peut que vous receviez un courriel, je vous donne de la valeur. Si ce n'est pas pour vous, ignorez-les tout simplement. Prenez ce qui est bon pour vous. Après dimanche, c'est terminé. Je ne parlerai plus du tout du reset. Vous allez voir autre chose. Je vais être plus tranquille un petit peu sur le web, bien sûr, mais je vais revenir un coup que la cohorte. Louis 7, on va commencer à prendre notre air d'aller, partir en aventure, tout le monde ensemble. Je vais revenir partager des pépites, partager des, des lives avec vous. Alors, merci énormément d'être dans cette belle communauté-là. J'espère que vous y trouvez de la valeur dans tout ce que je vous partage, que vous y trouvez du sens. C'est là mon intention. C'est là, c'est ça, c'est tout ce que j'ai à faire, en fait, de vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Et, et, et comprendre que it's a process on est dans un processus de dépuration de purification tout est déjà là il ne manque rien c'est François qui vous dit je vous aime je vous adore on se revoit bientôt bye ma belle gang